La séance précédente, j'avais commencé à discuter de un certain type de caractère qu'on peut observer, de caractère de personnalité, qui sont les facultés cognitives générales. C'est un caractère qui est très intéressant parce qu'il est extrêmement complexe et par ailleurs, c'est un caractère qui est aussi qui est pas très consensuel dans le milieu. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur la biologie du comportement et sur la génétique du comportement ne sont pas tous absolument convaincus des résultats dont on dispose aujourd'hui sur la mesure de l'intelligence et sur la mesure de la transmission de l'intelligence, etc. Et c'est un débat très très intéressant. Donc, ce que je proposerai à la fin de cette séance-ci, ce sera d'ouvrir le débat sur cette question-là, c'est sur toutes les questions que ça pose. Mais avant ça, comme pour pouvoir en débattre, il faut, à mon avis, comprendre comment on fait pour mesurer l'héritabilité, pour détecter quels sont les gènes qui sont éventuellement impliqués dans un caractère de comportement, pour comprendre les mécanismes qui font que ces gènes peuvent affecter d'une manière ou d'une autre le comportement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer par un cas d'étude, qui est un cas d'étude qui est beaucoup plus simple à analyser et qui me permettra de vous faire un panorama des méthodes. Alors, ce cas d'étude, c'est la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est une maladie qui touche en général, qui affecte des personnes âgées. C'est une maladie neurodégénérative. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Ce n'est pas vraiment un caractère de comportement, entendons-nous bien. C'est une maladie qui provoque des troubles de comportement parce que elle provoque une dégénérescence du système nerveux et que forcément, dès le moment où le système nerveux ne fonctionne plus, ça provoque. Oui? Tu as dit que ça affecte les personnes âgées, mais je ne crois pas que ce soit vraiment les personnes très âgées. Ça commence très tôt. Une vraie maladie d'Alzheimer, ça commence, peut commencer vers 50 ans Oui, ou 40 et quelques. absolument, mais ça dépend des formes. Donc, il y a deux formes. Il y a une forme qu'on appelle familiale. Et cette forme-là, effectivement, ça peut commencer assez tôt, vers 40 ans, 50 ans. Et de plus, ça dépend des populations. Donc, par exemple, en Colombie, il y a, enfin, il y a une forme familiale de la maladie d'Alzheimer qui est liée à certains allèles, à certaines formes de gènes qui sont présents dans ces populations-là et qui ont un déclenchement particulièrement précoce et qui provoquent des troubles du comportement, troubles de la mémoire et sénilité précoce. Par contre, dans les populations européennes, cette forme familiale existe aussi. Elle représente 0,1% des cas d'Alzheimer. Et alors, il y a une autre forme qu'on appelle sporadique. Et celle-là, je vais expliquer pourquoi. Après, on les appelle familiales et sporadiques. Mais la forme sporadique, ça représente en gros le reste, quoi, c'est-à-dire 99,9% des cas. Et cette forme-là se déclenche plus tard. Et l'âge typique de déclenchement, c'est vers 65 ans, mais ça peut aller de 65 ans à 98 ans. Enfin, ça se déclenche généralement, effectivement, plus tard que la forme familiale. Alors, ces formes sont différentes. Elles sont fortement différentes du point de vue du mode de transmission. La forme familiale se transmet de manière mendélienne, comme un caractère dominant. Et donc, c'est un très bon exemple pour illustrer certaines des méthodes dont disposent les généticiens du comportement pour aller détecter les gènes associés à une maladie. Donc, je vais vous montrer un exemple. Et la forme sporadique, par contre, ne se transmet pas du tout de façon mendélienne. C'est beaucoup plus complexe. En fait, elle est liée à plusieurs allèles. Il n'y a pas une détermination de tout ou rien, c'est-à-dire le fait d'avoir l'allèle ne veut pas dire qu'on va avoir la maladie, dans aucune des formes d'ailleurs. Dans les deux cas, il y a un facteur génétique, il y a une transmission transgénérationnelle, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Donc c'est ce qu'on appelle des maladies multifactorielles, où à la fois interviennent la composition génétique des individus et des facteurs de l'environnement. Du point de vue, donc je vais revenir sur cette distinction entre familiale et sporadique au moment où je vous expliquerai comment on va chercher les gènes, comment on va essayer de détecter les gènes associés à la maladie. Quel est l'intérêt donc de l'étude d'Alzheimer? Pourquoi j'ai choisi cette maladie-là qui n'est pas finalement un trait de comportement comme l'agressivité, la fidélité conjugale ou de la personnalité comme, enfin, bon, on peut appeler ça comportement, personnalité. J'ai choisi cette maladie-là justement parce qu'on a des choses très concrètes.
Dans tous les autres cas, c'est déjà beaucoup plus difficile de dire si quelqu'un est ou n'est pas agressif et dans quelles conditions et pour quelles raisons, etc. Ici, Alzheimer, on a quelque chose de concret, c'est qu'il y a un diagnostic médical qui repose sur des symptômes physiques. Et c'est quoi les symptômes physiques de la... Alors, bon, d'abord, il y a des symptômes comportementaux. Symptômes comportementaux, le premier symptôme de la maladie, c'est une perte de la mémoire immédiate. Difficulté aussi à reconnaître les faces et difficulté à s'orienter dans l'espace. Perte de la capacité d'orientation spatiale ou diminution de la capacité. Et puis, dans les formes plus avancées de la maladie, il y a aussi progressivement une érosion de la mémoire à long terme. Mais au début, les personnes qui commencent à souffrir de la maladie conservent la mémoire à long terme, mais ne se souviennent plus de ce qu'ils ont mangé, de ce qu'ils ont fait ou du fait qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas allumé la cuisinière, ce qui peut poser des problèmes. Donc ça, c'est les symptômes. Et du point de vue anatomique, ce qu'on constate sur des patients qui sont morts, en fait, on fait une autopsie du cerveau et on peut faire de l'histologie, donc on fait des coupes du cerveau, on regarde au microscope et on constate deux types de symptômes qui sont présents l'un ou l'autre, ou parfois les deux. Donc le premier type de symptômes, c'est ce qu'on appelle des plaques de sénilité. Donc ça se trouve dans certaines zones du cerveau, en fonction de l'état d'avancement de la maladie. Elles sont constituées d'une petite protéine, un peptide, qui s'appelle le peptide amyloïde. Le peptide bêta-amyloïde. Et c'est un peptide qui flotte dans l'espace extracellulaire. Donc on a les neurones, qui sont donc les cellules. Je vais vous en dessiner un, parce que j'en aurai besoin pour la suite. Donc je vous dessine un neurone. Les neurones, c'est des cellules donc qui ont un noyau, mais qui sont caractérisées par le fait d'avoir deux extrémités, de prolongement extrêmement long, l'un qu'on appelle dendrite et l'autre qu'on appelle axone. Et en fait, un neurone, la fonction d'un neurone, c'est de transmettre une information qu'il reçoit, généralement par un autre neurone. Donc il y a un neurone qui va exciter le dendrite. Donc le dendrite, c'est le point d'arrivée du neurone. C'est de là qu'arrive l'information. Et cette information, en fait, elle va se transmettre sous forme d'un courant électrique qui va arriver jusqu'au bout du neurone. Et là, il va transmettre l'information au neurone suivant. Alors effectivement, il transmet cette information. Ce qui se passe entre deux neurones, donc ici, je n'ai pas laissé de place pour dessiner le neurone suivant, mais si j'ai ici une extrémité axonale, donc ça, c'est un axone, et ici, j'ai le dendrite du neurone suivant, cette région-ci, on l'appelle la synapse. C'est la région où les deux neurones communiquent l'information. On reviendra là-dessus plus tard. J'expliquerai comment ça fonctionne à l'intérieur de la synapse. On n'en a pas besoin pour le moment. Mais ce qu'on constate dans le cas de maladie d'Alzheimer, c'est que chez certains patients, quand on fait des coupes du cerveau, on constate qu'il y a des plaques, il y a des régions où les neurones sont dégénérés. Et dans ces régions, on constate qu'il y a une très forte accumulation d'une petite protéine. Et cette protéine, c'est le peptide bêta-amyloïde. Je reviendrai dessus, je vous expliquerai comment ça marche en fait. Et l'autre type de symptôme est lié à une autre protéine. Donc ici, je vais le souligner en vert ici, ça c'est le petit point vert, qui sont dans l'espace extracellulaire. Et puis il y a un autre symptôme qui est la présence d'un autre peptide qui s'appelle Tau. Et ça, c'est lié en fait à ce que on appelle, Roberto l'appelle des tortillons de protéines. En fait, on a un peptide qui forme des fibres ici et qui s'accumule dans les axones, qui s'appelle Tau. Et ce peptide, normalement, sa fonction normale est de participer à la structure de l'axone et notamment à sa flexibilité et à lui donner à permettre la formation de ce prolongement cellulaire qui est extrêmement long et fin. Donc ça constitue normalement une des composantes des axones qui confèrent à leur donner leur structure et leur fonction. Mais dans certains cas, ce qu'on voit, c'est que ça commence à faire des tortillons et on a donc des problèmes parce qu'il y a une accumulation de protéines Tau qui déforment l'axone, qui l'empêchent de fonctionner. Donc ça, c'est lié au peptide, enfin à la protéine Tau. Alors, peptide-protéine, les protéines sont des polypeptides. Ce sont
longue, donc c'est ce que je vous avais expliqué la fois passée, mais un autre mot pour protéines, c'est polypeptide. Ce sont des longues macromolécules, ce sont des longs assemblages d'acides aminés. Et la liaison entre deux, ces acides aminés s'appelle liaison peptidique. Et on distingue parmi ces molécules qui sont faites d'un chapelet d'acides aminés, des oligopeptides, qui sont des peptides entre 2 et 50, à peu près 50 acides aminés. Et puis il y a les polypeptides, qui sont des protéines, enfin qui sont des assemblages plus longs, des séquences plus longues. Et la plupart des protéines que je vous ai montrées la fois passée sont des protéines qui font 300, 400, 500 acides aminés. Ici, ce peptide amyloïde, c'est un peptide qui fait, quand on le trouve comme ça, qui fait 40 à 42 acides aminés. Il y a plusieurs formes. Bon, donc ça c'est ce qu'on observe. On a donc les symptômes cliniques, on a des symptômes histologiques. Et ce qu'on constate en fait, c'est que ces symptômes, on les trouve au début de la maladie, ils commencent à se manifester dans une région particulière du cerveau, qui est ce que vous avez sur la première figure que je vous ai imprimée aujourd'hui. Alors, sur cette première figure, vous voyez un crâne. En grisé, vous avez la forme du crâne avec la mâchoire, la boîte crânienne. Et en beige, vous avez les structures nerveuses. Donc il y a le cerveau, c'est la grosse masse qu'il y a au-dessus. Vous voyez un tronc qui arrive dans le cerveau, enfin un tronc, c'est la moelle épinière. En haut de la moelle épinière, effectivement, vous avez le bulbe rachinien. Et en rouge, sur cette image-là, ce que vous voyez, c'est une structure particulière du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, en fait, c'est une région dont on connaît la fonction depuis le siècle passé. Et la façon dont on a découvert la fonction particulière du cerveau, c'est comme pour beaucoup de fonctions cérébrales, c'est du fait d'un patient qui souffrait d'épilepsie. Et il souffrait d'épilepsie, on avait localisé que ces crises d'épilepsie, le point de démarrage de ces crises d'épilepsie provenait de cette région-là, qui s'appelait hippocampus. On l'appelait déjà hippocampus parce qu'elle a une forme qui ressemble un peu à l'hippocampe, oui, à l'hippocampe. Donc cette personne-là, on a localisé que cette crise d'épilepsie provenait de là, et ce qu'on a fait, c'est de lui faire une incision chirurgicale pour empêcher les crises, empêcher la propagation des orages électriques qui se passent dans le cerveau au moment de crise d'épilepsie. Il avait des crises assez violentes, quoi. Donc ça a effectivement soigné son épilepsie, ça a diminué les épisodes de crise, mais à partir de ce moment-là, cette personne n'a plus jamais pu former de nouveaux souvenirs. Former des nouveaux souvenirs, donc, c'est l'endroit du cerveau où se forme la mémoire, où se forge la mémoire. La mémoire à court terme, c'est le siège de la mémoire à court terme. Il y a d'autres zones du cerveau qui sont chargées de la mémoire à long terme, mais de toute façon, avant de pouvoir imprimer une information dans la mémoire à long terme, ça passe par l'hippocampe, qui d'abord les mémorise à court terme, et puis il y a des mécanismes de renforcement qui font que ça passe dans la mémoire à long terme. Et l'autre chose, c'est que cette région sert aussi à la reconnaissance des visages. Et effectivement, à partir du moment où on a fait pratiquer cette opération sur cette personne, elle n'a plus jamais été capable de reconnaître son infirmière. Donc chaque fois que l'infirmière entrait dans la chambre, c'était comme si c'était une nouvelle personne qui entrait dans la chambre. Donc évidemment, ça c'est un incident dramatique pour la personne à laquelle c'est arrivé. Mais ça nous indique quelque chose sur la fonction d'une des régions du système nerveux. Et très souvent, les fonctions qu'on connaît pour des régions du système nerveux, si on les connaît, c'est lié à, effectivement, des épisodes traumatiques de ce genre-là. Oui ? Oui, on avait parlé de l'alpha-synucléine sur le peptide concerné. L'alpha ? Synucléine. Oui, je ne connais pas. Et qu'est-ce qu'il fait sur le... Dans la maladie de Parkinson et également dans la maladie d'Alzheimer. Ah oui, en fait, alors, je dois tout de suite vous dire, moi je ne suis pas un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, donc je ne connais pas... Il y a beaucoup de gènes qu'on connaît qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer, je vais vous montrer à la fin. On a détecté une vingtaine qui contribuent à ça. Et effectivement, une partie de ces gènes-là code pour des protéines qui interagissent, je vais vous en montrer un cas en fait, qui interagissent avec ces protéines-ci ou ces protéines-là. Mais... je ne connais pas cette protéine. Je peux me renseigner si vous voulez que je vous explique avec plus de détails. Ici, moi, mon idée, c'est que j'ai pris la maladie d'Alzheimer comme prétexte didactique parce que pour cette maladie-là, on dispose, c'est justement là que je vais vous exposer un peu mon plan pour aujourd'hui,
on dispose de plusieurs types d'études et qui sont très illustratives de toutes les étapes qui se pratiquent normalement dans une analyse de génétique du comportement. Et la première étape, qui est celle que j'avais commencé à vous expliquer la fois passée, c'est de mesurer l'héritabilité. Alors je vous l'avais expliqué la fois passée, ou j'avais commencé à vous l'expliquer, sur base des études de jumeaux, dans le cadre des analyses de quotient intellectuel ou du facteur G, qui est une autre façon de mesurer les capacités cognitives générales. Il s'agissait, la séance passée, d'un caractère quantitatif. On quantifie les capacités d'une personne, on les quantifie sur une échelle qui va de 0 à... Enfin, qui va typiquement, qui est centré autour de 100 et qui va de 40 ou un peu moins à 140 ou un peu plus. Ici, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on a un caractère qualitatif, c'est-à-dire qu'on va qualifier les gens en disant ils sont positifs, c'est-à-dire qu'ils souffrent de la maladie, ou ils sont négatifs, c'est-à-dire qu'ils n'en souffrent pas. Mais on va aussi mesurer l'héritabilité au sens large, c'est-à-dire qu'on va essayer de poser une première question, qui est de savoir si dans la transmission de génération en génération de la maladie, il y a un facteur génétique, un facteur environnemental ou un peu des deux. Et en fait, précisément ce qu'on va faire, c'est de mesurer le rapport entre la transmission génétique et la transmission totale qui est supposée être liée aux facteurs génétiques et aux facteurs environnementaux. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la mesure d'héritabilité. Je vais revenir plus précisément dessus après pour vous expliquer ce que c'est. Mais ces mesures-là sont des mesures très globales. En fait, une fois qu'on mesure ça, on peut éventuellement considérer qu'une maladie est vraisemblablement transmise, en tout cas qu'une partie des causes des maladies sont liées à des gènes, mais néanmoins, on ne sait pas quel gène. Ça ne nous donne absolument aucune indication quant aux gènes particuliers qui vont intervenir dans l'étiologie de cette maladie, dans la cause de cette maladie. Donc, la deuxième approche, ça va être la découverte des gènes impliqués. Et pour ça, il y a deux grandes familles d'approches. Une première famille d'approches, c'est les études de liaison. Et ça, aujourd'hui, je vais donc commencer par vous montrer comment on calcule les mesures d'héritabilité de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous montrer comment on fait une étude de liaison de la maladie d'Alzheimer et ce qu'on a découvert avec des études de liaison. Et ensuite, il y a une approche tout à fait différente. Les études de liaison, ça se passe, ça nécessite d'avoir des familles. On va suivre des familles, on va tracer des pédigrés et on va suivre la transmission de la maladie au sein d'une famille. Donc les études de liaison fonctionnent uniquement dans les cas où un gène est vraiment très fortement associé au fait d'avoir ou de ne pas avoir la maladie, ce qu'on appelle la pénétrance. Donc ça, ça fonctionne quand il existe deux variants d'un gène, l'un donne la maladie, l'autre ne le donne pas. Au même titre que dans les expériences de Mendel, on avait deux variations, on avait des variants d'un gène et on pouvait avoir des poids qui étaient soit ridés, soit lisses, mais pas quelque chose entre les deux. Donc ça, ça marche donc pour des caractères monogéniques et avec une très forte pénétrance. Et pour les autres types de caractères, ce qu'on fait, c'est des études d'association. Et là, on le fait sur des larges échantillons où on a toute une population de cas, une population de contrôle. Les cas, c'est ceux qui souffrent de la maladie. On a toute une population de contrôle, des personnes qui ne souffrent pas de la maladie. Et puis, on va étudier les fréquences relatives des allèles entre ces deux populations. Donc ça, c'est deuxième étape, découverte des gènes. Que ce soit par l'étude des liaisons ou par l'étude d'association, ça nous permet d'aller à la pêche aux gènes. On se retrouve avec une série de gènes, et une fois qu'on a ça, on dit que ce sont des gènes candidats. Alors ils sont candidats, ce n'est pas eux qui déposent leur candidature, mais c'est effectivement le jargon. On dit qu'ils sont candidats, c'est-à-dire c'est plutôt que le chercheur qui a découvert ces gènes-là se dit « Ah, là j'ai un bon candidat », c'est le chercheur qui a son candidat pour dire « J'ai un bon candidat pour essayer de découvrir quelque chose qui soit lié à cette maladie ». Troisième étape, une fois qu'on a ça,
On est déjà un peu plus loin que dans les mesures d'héritabilité. Ici, on dispose d'un, deux, trois ou une série de gènes qui sont associés à la maladie ou qui sont liés à la maladie. On va dire qu'ils sont associés, liés, selon la manière dont on les a détectés. Mais on ne sait toujours pas ce qu'ils font. Et donc ensuite, il y a la caractérisation moléculaire. C'est la caractérisation moléculaire de ces gènes ou de leurs produits, des protéines qu'ils produisent. Et ça, ça permet de comprendre les mécanismes. Et justement, c'est pour ça que j'ai choisi le cas de la maladie d'Alzheimer. En fait, j'ai repris cet exemple-là qui est exposé de façon très concise dans le livre de Pierre Roubertou, « Existe-t-il des gènes du comportement ?» C'est le même ouvrage dont je vous ai parlé les fois passées. Et c'est un très bel exemple. Il le présente tout au début. Et donc, j'ai repris exactement son exemple pour la même raison, parce que c'est une maladie où on a chacune de ces trois étapes, mais en plus, on en a une de plus, c'est qu'il y a une quatrième étape qui est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces gènes. Une fois qu'on aura compris, qu'on a découvert les gènes qui sont associés à la maladie, une fois qu'on a compris la raison pour laquelle différentes variations sur ces gènes vont provoquer différents symptômes, évidemment, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir agir dessus, et donc il y a les pistes thérapeutiques. Voilà, donc ça c'est le plan pour aujourd'hui. Alors, mesure d'héritabilité. Comment on fait pour mesurer l'héritabilité sans connaître les gènes? Parce que l'idée, évidemment, c'est que s'il y a héritabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec les gènes. Je vais commencer par vous expliquer comment on mesure l'héritabilité, et puis je vais vous donner quand même quelques petites réticences quant à l'interprétation de ce mot, héritabilité. Parce que le mot donne une idée qui est trompeuse par rapport à ce qu'il mesure réellement. Alors, héritabilité. Typiquement, c'est ça qu'on fait avec les études de jumeaux. Et je vais prendre les résultats d'une étude récente, de 2004. La maladie d'Alzheimer a été découverte en 1906. Alois Alzheimer l'a caractérisée, il l'a décrite en 1906, et depuis elle porte son nom. Alors, ça, c'est une étude, donc je vous parle d'une étude, je vous donnerai les références, je les mettrai aussi sur le site web, mais c'est une étude qui a été menée par une équipe de recherche suédoise. Ça a été publié en 2004, le premier auteur de l'article s'appelle Pedersen, donc je vais utiliser ce mot-là pour dire l'étude de Pedersen. Mais donc, ils ont suivi une cohorte de jumeaux, de paires de jumeaux, il y avait 662 paires de jumeaux, et ils les ont suivis pendant 5 ans. Parce qu'évidemment, déjà, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire avoir la maladie ou ne pas l'avoir. Si on prend quelqu'un à un certain âge, il ne l'a pas, mais peut-être qu'il l'aura dans 5 ans ou dans 10 ans. Si on prend une paire de jumeaux et qu'il y en a un qui décède à 70 ans et l'autre à 90 ans et que le deuxième déclare la maladie à 75 ans, ben, on ne sait pas si l'autre l'aurait eu ou pas au même âge ou s'il l'aurait eu plus tard, même s'il y en a un qui décède plus tôt que l'autre. Même si c'est celui qui décède le plus tôt qui avait la maladie et que l'autre vit plus longtemps, rien ne dit qu'il n'aurait pas eu la maladie 5 ans après. Donc, il faut bien mettre une frontière quelque part. Et dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi 662 paires de jumeaux pendant 5 ans. Alors les jumeaux, ils ont cherché plein de jumeaux suédois qui acceptaient de se prêter à cette étude. Et donc dans leur cohorte, les âges des jumeaux varient de 52 à 98 ans. Et ils ont fait une étude pendant 5 ans. Et puis ils mesurent ce qu'on appelle le taux d'incidence. Donc le taux d'incidence, c'est le nombre de cas déclarés par année ou pendant une période donnée. Alors, pendant la période de 5 ans, il y a 5,8% des paires de jumeaux où il y a au moins un des deux qui a déclaré la maladie. Alors, je vais vous mettre les chiffres tout de suite. On va faire les calculs ensemble. Donc, ici, parmi ces jumeaux, il y en a qui sont monozygotes. Donc, je vais écrire ça MZ pour monozygote, et d'autres qui sont dizygotes. Tout le principe de l'étude d'héritabilité, ça va être de comparer les fréquences chez les monozygotes et chez les dizygotes. Donc ce qu'on appelle en français les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Je vais l'écrire comme ceci. Donc ça c'est les vrais jumeaux et ça c'est les faux jumeaux. Okay? Sans aucune connotation positive ou négative, entendons-nous bien. Donc pas de connotation, mais comme c'est plus facile de retenir. Okay? Vrais jumeaux, faux jumeaux. Okay, les vrais jumeaux, c'est ceux qui ont 100% de leur génome identique. Donc ça, je vais l'écrire aussi parce que ça fait partie de tous les présupposés. Ils ont 100% du génome identique, génétique,
Et ici, les faux jumeaux, ils ont 50% d'identité, comme toutes les fratries. Dans chaque fratrie, une paire de frères et sœurs, ou de frères ou de sœurs, ou de frères et sœurs, ont 50% de leur génome en commun, plus ou moins. Alors, l'idée, c'est que justement, puisque les pourcentages diffèrent, si on observe une plus forte concordance entre les jumeaux vrais qu'entre les jumeaux faux, on va se dire que c'est dû au fait qu'ils ont une plus forte similarité de génome. Donc, regardons les chiffres. Alors, je vous dis qu'ils ont choisi, ils ont suivi 662 paires de jumeaux. Heureusement, évidemment, il n'y en a pas beaucoup parmi ces paires qui ont déclenché la maladie. Donc, ceux qui sont positifs, enfin, positif, attention, oui, ici aussi les connotations. Positif, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, ça vous dit que vous êtes malade. Hein. Donc ça, c'est le Alzheimer. Hein. Donc, les positifs, chez les monozygotes, il y a eu 5 paires. Les positifs négatifs. Oui, non. Les positifs au total, donc c'est ça, c'est les positifs concordants. C'est-à-dire, c'est une paire. C'est une paire de jumeaux où les deux jumeaux ont déclaré pendant les mêmes 5 années la maladie. Et puis, il y a ce qu'on appelle les paires discordantes. Discordantes, ça veut dire qu'il y a un des deux qui a déclaré la maladie et pas l'autre. Et dans les paires discordantes, il y en avait 21. Donc en tout, parmi les paires de jumeaux monozygotes, il y en a 26 paires où au moins un des deux membres a déclaré la maladie pendant les 5 années d'observation. Pour les dizygotes, donc pour les faux jumeaux, c'est 2, 42, 44. Voilà. Donc ça, c'est les chiffres de départ. Ceci, alors, du coup, on peut calculer maintenant les sommes. Hein. Ça fait en tout, alors on va faire les totaux. Hein. Total. En tout, les dizygotes, il y en a 44. Alors le total. Donc ça veut dire qu'après il y a ceux où il n'y a personne, j'ai oublié de vous le dire, mais ici, ceux qui sont négatifs, c'est-à-dire aucun des jumeaux, je ne connais pas les proportions des monozygotes et des dizygotes, je vais le rechercher, ça doit être écrit quelque part dans un petit coin de l'article. Mais ces chiffres-ci, de toute façon, on n'utilise pas ces données-là, ceux qui sont négatifs. Donc ça, je vais dire que je ne les connais pas. Par contre, ce que je connais, c'est la somme ici qui va faire 70. On est bien d'accord. Ici, vous en avez des discordants. Enfin, ça, on n'aura pas besoin de là, mais bon, ça fera 63, 7. Et ici, effectivement, on a 662 moins 70, ce qui fait le total ici, ça fera des négatifs, ça fera 588, pardon. Je recommence, ça fait 588. Ok ? Tout le monde est d'accord ? Je fais toujours des erreurs dans les tableaux pour voir si tout le monde suit. Ça s'appelle une erreur pédagogique ou didactique. Si vous voyez d'autres erreurs, vous me les signalez, ça fait un point de plus à l'examen. Donc ici, il y a des chiffres aussi, mais on n'en a pas besoin. Tous les chiffres dont j'ai besoin, je les ai là. On n'a pas d'informations sur les parents ? Dans cette étude-ci, on n'a pas d'informations sur les parents. Dans l'étude suivante, les études de liaison, on a des informations sur les grands-parents, les parents, les enfants. Dans les études d'héritabilité, il y a plusieurs types d'études d'héritabilité. Il y a des études où on compare les parents aux enfants, c'est dans les études d'adoption. Mais dans les études de jumeaux, on n'utilise pas l'information sur les parents. C'est vraiment des catégories d'études avec des clés de lecture et d'interprétation très précises. Donc, dans les études familiales, il y a les études de jumeaux. On ignore les parents. Il y a les études d'adoption. Et là, on peut soit regarder la concordance entre les parents et les enfants dont ils ont été séparés à la naissance, ou bien on peut regarder, quand il y a des frères qui sont adoptés ou des sœurs qui sont adoptées, la concordance entre les frères et les sœurs. Donc ça, c'est les études d'adoption. Études de jumeaux, études d'adoption, et alors il y a les études de jumeaux séparés à la naissance qui combinent jumeaux et adoption. Mais évidemment, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Le 42, là. Qu'est-ce qu'il a, le 42 ? Chez les faux jumeaux, ça, c'est beaucoup plus que chez les frères jumeaux. Oui, ah oui, mais ça, c'est parce que, a priori, ils ne peuvent pas choisir combien ils auront de vrais jumeaux ou de faux jumeaux. Ils ont des cohortes. Et le taux de vrais jumeaux et de faux jumeaux, il est donné par la nature. Et puis,
En plus, au sein de ces cohortes, ils ont 662 paires de jumeaux. Il y en a une certaine proportion de vrais, de faux. Et pendant les 5 ans, il y en a un certain nombre qui déclarent la maladie. Ça dépend d'un tas de choses. Ça dépend vraisemblablement de leur gène, ça dépend de leur âge, ça dépend de facteurs environnementaux, etc. Donc après, ils analysent les chiffres dont ils disposent. Donc effectivement, la somme ici, ce n'est pas la même que la somme ici. Mais ça, c'est simplement par les hasards de l'échantillonnage. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va calculer? Eh bien, on peut calculer ici le taux de concordance. Alors, pour les taux de concordance, je ne vais pas vous donner les formules. Si vous les voulez, je les ajouterai au site web. On va pas faire insister trop sur les détails mathématiques. Mais il y a une formule magique qui est qu'on va calculer un taux de concordance par individu, qu'on appelle par proband, je sais pas, ils l'appellent proband-wise en anglais, je ne sais pas comment on dit en français en fait. Voilà. Et dans ce cas-ci, pour les jumeaux vrais, monozygotes, on a 32%. 32% de concordance. C'est plus élevé que ce que vous calculeriez ici. Hein. Bon, on peut calculer, je vais vous mettre quand même le plus simple. Le taux de concordance par paire, celui-là, il est facile à calculer. Il est 19%. C'est-à-dire c'est 5 sur 26. Et puis, il faut une astuce de calcul qui est de calculer le taux de concordance, non pas en termes du nombre de paires où ça concorde, mais du nombre d'individus où ça concorde. Ça veut dire que les concordants comptent double. Et là, on se retrouve avec 32%. On peut calculer les deux. Okay, là, j'ai calculé les deux. J'ai fait un petit programme pour calculer les deux. Mais parce que, effectivement, les chiffres ne correspondaient pas à ce que moi j'avais calculé au départ. Et puis j'ai réalisé, il y a la différence. Ils utilisent toujours cette mesure-là et pas celle-là. La deuxième chose, alors, pour les dizygotes, pour les faux jumeaux, le taux de concordance par paire. Donc ici, on a 4,5% de concordance. Bon, les négatifs, je les ajouterai un autre jour. 4,5%, ça fait 2 sur 42. Et si on le fait en comptant double les positifs, parce qu'il y a deux individus, alors on dit le premier concorde avec le deuxième avec le premier. Bon, je pense que c'est un peu biaisé. Hein. Moi, je me baserai sur celui-là, mais il se base toujours sur celui-là. Et donc là, c'est 8,6%. Voilà. Alors ça fait une différence, hein. Ça fait quand même une différence. Quand on regarde cette ligne-ci avec la concordance par paire ou cette ligne-là, eh bien on voit qu'il y a une meilleure concordance entre au sein des monozygotes qu'au sein des dizygotes. Ceci dit, et ça c'est une des critiques qu'on fait très souvent à ces études de jumeaux, les effectifs, le nombre d'individus sont très petits. Ici au total on a 26 paires, ici on a 44. Mais on voit quand même qu'il y a des différences. Alors, ce qu'on calcule, c'est la différence entre ces deux taux. On calcule la différence, on la multiplie par 2, et on obtient un facteur qui est l'héritabilité génétique, qu'on va appeler héritabilité au sens large. C'est 0,47, donc ça fait 47%. Donc ça, c'est le chiffre qu'on va retenir au terme de toute cette étude. Je vous passe un peu les formules magiques. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on publie, en fait, ce qu'on dit, quand on veut simplifier tout ça, on dit « La maladie d'Alzheimer a un taux d'héritabilité, ça c'est l'héritabilité, de 47%. » Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a une autre étude. Oui, il y a une autre étude qui a été publiée 4 ans auparavant. Et une mesure, je vais vous dire des choses encore plus surprenantes. Une étude 4 ans auparavant, avec des effectifs du même ordre, il mesure une héritabilité de 75%. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Alors comment ça se fait que si j'ai deux études différentes, il y en a une qui me fait une héritabilité de 75% et l'autre de 47%. Donc ça, c'est déjà une première question sur l'héritabilité. Bon, il y a des questions sur la façon dont on la calcule, mais une grosse question sur l'héritabilité, c'est comment ça se fait que ça fluctue tellement? Et ça, la réponse est simple. Ça fluctue tellement parce que chaque fois qu'on prend une cohorte, on se retrouve avec un petit nombre d'individus. Bah, si on avait deux unités de moins là, ça changerait beaucoup le chiffre final parce qu'il est calculé comme un rapport, des différences entre des rapports. Si on avait un de plus ici ou un de moins ici, ça changerait énormément
le chiffre final. On a deux cas de concordance. Si on en avait un ou zéro, on se retrouverait avec un truc qui explose. Donc on dirait qu'il y a une héritabilité. Et dans certains cas, on pourrait se retrouver avec une héritabilité de plus de 100%. Il y a un des cas que j'ai pas mis, enfin je l'ajouterai aux figures, mais dans un tableau où on étudie toute une série de caractères. Non, je crois que c'est pour l'homosexualité mâle. Eh bien, il y a une des toutes premières études qui a été publiée en 1956, je reviendrai là-dessus plus tard, où l'héritabilité calculée de cette façon-là, elle fait 107%. 107% d'héritabilité, c'est formidable. Donc, conclusion de tout ça, l'héritabilité mesurée de cette façon-là, on a bien l'impression qu'il y a effectivement une plus grande concordance entre les jumeaux vrais qu'entre les faux jumeaux. Il y a quand même un doute sur la robustesse, enfin plus qu'un doute, il y a un questionnement tout à fait légitime sur la robustesse des résultats, puisque entre deux études qui sont faites 4 années de distance, sur une population assez semblable, les deux études étaient faites par des groupes suédois, enfin d'ailleurs il y a des auteurs qui sont dans les deux études, ils ont un peu changé le protocole justement celle-ci, le suivi est fait d'une façon différente de l'étude précédente, mais en fait on va vous publier un chiffre en disant il y a 75% d'héritabilité, et dans l'autre cas il y a... Pardon ? Il n'y a pas des études justement où le groupe de base est du même âge. Parce que là, je trouve que c'est très faussé par rapport à la fourchette d'âge. Non. Alors, tout dépend... Absolument. Tout dépend de ce qu'on observe. Dans les mesures de l'intelligence, par exemple, enfin, l'intelligence, du facteur G, là, j'ai des résultats d'études très récentes, en fait, qui ont été faits il y a 2-3 ans, qui ont été publiés il y a 2-3 ans, où ils ont des cohortes énormes de jumeaux anglais. Donc c'est une population qui suit le même enseignement, etc. Ils ont des cohortes avec des milliers de jumeaux, des dizaines de milliers de jumeaux, qu'ils suivent, ils font ce qu'on appelle un suivi longitudinal, donc ils les suivent pendant plusieurs années, et ils font une mesure à 7 ans, une autre mesure à 9 ans, une autre mesure à 10 ans, sur chacun des individus, chacune des paires de jumeaux. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va regarder à un âge donné, mais ça, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un test qu'on leur fait subir, ou passer, enfin on l'appelle comme on veut, mais donc ils passent un test, et puis on mesure des scores d'aptitude verbale, aptitude mathématique, aptitude à s'orienter dans l'espace, etc., géographie, géométrie, etc. Donc on fait ces tests-là, et au terme de tout ça, tous les individus, on va pouvoir les quantifier leur performance. Par contre ici, on est dans des études où, si on part avec une cohorte de 600 paires de jumeaux, à la fin, on se retrouve avec des résultats très faibles. Donc si au lieu de prendre tous les gens qui avaient entre 52 et 98 ans au moment du début de l'étude, ils avaient pris uniquement des gens qui avaient précisément 65 ans, ils n'auraient personne, quoi. Donc c'est pour ces raisons-là. Mais évidemment, ça met aussi en question la robustesse des chiffres, parce que selon l'âge, la probabilité, on le sait bien, hein, la probabilité de déclenchement de la maladie augmente avec l'âge. Donc tu as tout à fait raison. C'est un autre des problèmes avec cette étude-là. C'est, dans ce cas-ci, je pense qu'en plus, ces études d'héritabilité sont un peu obsolètes, parce que ça ne nous apprend rien. Je pense vraiment que c'est des choses qu'il faut mettre en question. Mais comme le but de ce cours-ci, ce n'est pas seulement de vous montrer ce qu'on sait, mais de aussi ouvrir un questionnement sur les méthodes. Hein, le titre du cours, c'est « Méthode, limitation et découverte ». Donc pour chacune des méthodes ou pour chacun des traits de comportement, ce que je voudrais, c'est justement vous inviter à découvrir les choses qui sont très intéressantes et qu'on apprend sur le comportement, mais aussi à savoir qu'il y a une grosse partie de la littérature qui n'est pas très solide. Ni dans ses motivations, ni dans les méthodes de mesure, ni dans les statistiques. Donc ça, c'est une critique très générale des études de jumeaux. Très souvent, quand il s'agit de pathologie, effectivement, inhomogénéité des cohortes. Toi, tu mentionnes ici l'inhomogénéité de l'âge, mais c'est encore un cas excellent, parce qu'au moins, on a une homogénéité des critères de diagnostic. Quand on va parler de la schizophrénie, ce sera encore plus difficile. Du trouble bipolaire, etc. Bon, donc ces études d'héritabilité, d'une part, ne nous apprennent pas grand-chose, et d'autre part, elles sont contestables. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on sait ici que des facteurs environnementaux peuvent jouer sur l'âge du déclenchement, voire sur le déclenchement ou non de la maladie pendant la vie de l'individu.
notamment dans les facteurs environnementaux, il y a l'exposition ou non à des métaux lourds, il y a d'autres choses. On ne les connaît pas tous, ces facteurs environnementaux, c'est difficile de les détecter. Mais en gros, de toute façon, implicitement, quand on dit qu'il y a 47% d'héritabilité, ça suppose que le reste, ce qui n'est pas expliqué par les différences de génome, en fait, en gros, l'interprétation de ceci, c'est que puisqu'on a une différence ici de 32 à 8,6% dans le taux de concordance, et qu'on a une différence de similarité génétique de 100 à 50%, c'est pour ça que j'ai multiplié par 2, on pense que cette différence-là provient des 50% de différence qu'il y a ici. Et donc on dit, s'il y avait 0% de similarité et qu'on comparait des jumeaux qui ont 100% de similarité, donc si on passait de aucune similarité génétique à 100% de similarité génétique, on s'attendrait à avoir deux fois plus d'effets, et donc on multiplie la différence observée par 2 et on dit ça c'est le pourcentage qui s'explique par le génotype. Cette manière de calculer là pose problème, et ça c'est une des raisons pour laquelle on arrive à des 107%, parce qu'elle présuppose qu'il y a une linéarité entre le nombre de gènes qu'on partage et l'intensité du phénotype. Et ça, ça n'aurait de sens que si on était dans le cadre d'un trait de comportement ou d'une maladie qui est liée à des centaines de gènes qui sont répartis sur tous les chromosomes et en plus dont chacun contribue pour un certain pourcentage sans interagir avec les autres. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le modèle additif. Dans tous les livres de méthodologie, ici, donc dans le bouquin de Plomin, il y a un excellent chapitre à la fin du livre qui est un chapitre sur les statistiques. Et il explique vraiment, il expose très très clairement toutes les statistiques. Et il dit que le calcul de l'héritabilité se base sur un modèle, et alors on commence par exposer un modèle où en fait l'héritabilité, on suppose que la variabilité qu'on observe entre des individus provient de trois choses: le génome, l'environnement et l'interaction entre le génome et l'environnement. Donc dans le modèle de départ, on suppose qu'il n'y a pas que le génome ou l'environnement, mais que parfois certains génomes vont être plus propices à provoquer la maladie dans un environnement donné, mais que le même génome dans un autre environnement va avoir l'effet inverse. On a des cas qu'on connaît comme ça. J'essaierai d'en trouver un ou deux pour vous montrer ce que c'est que ce qu'on appelle ici l'interaction. Mais dès le moment où on commence à faire ces calculs-ci, on dit, pour simplifier, supposons qu'il n'y a pas d'interaction. Et donc, on se base sur un modèle additif. Non seulement additif dans le sens où le génome et l'environnement agissent de façon additive, tout ce qui ne s'explique pas par le génome s'explique par l'environnement réciproquement, mais en plus additif dans le sens où, pour la part qui est purement génomique ou génétique, on suppose que les pourcentages de concordance qu'on observe ou les pourcentages de corrélation quand il s'agit de traits quantitatifs comme les capacités cognitives, on suppose que c'est l'effet de l'addition d'un grand nombre de tout petits effets indépendants. Donc c'est additif à deux titres, additif du point de vue génétique, addition des effets des gènes différents, et additif entre le génome et l'environnement. C'est le modèle pour calculer tout ça. Alors, un exemple assez intéressant aussi, c'est que comme ce qu'on fait, c'est de mesurer somme toute la variabilité entre le lien entre la variabilité qu'on peut expliquer par des différences génétiques et la variabilité qu'on ne peut pas expliquer par des différences génétiques, cette héritabilité, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas la même chose que l'hérédité. Un exemple. Dans l'espèce humaine, la plupart des individus ont 5 doigts à chacun des membres. Pas tous. Il y a quelques mutations qu'on connaît, on comprend bien le mécanisme d'action de ces mutations qui font que parfois un bébé naît avec 6 doigts. On n'en voit pas souvent parce que dès que ça se passe, à l'hôpital, on procède à l'ablation du 6e doigt. Mais en gros, c'est tellement rare qu'on peut considérer qu'il y a 99 d'individus qui ont 5 doigts. Alors, il est évident que le fait d'avoir 5 doigts pour les humains et le fait d'en avoir 4 pour les souris, le fait d'avoir le nombre de doigts d'un animal, il est déterminé de façon génétique. Ça se transmet avec les gènes. On connaît même les gènes qui interviennent là-dedans. C'est les gènes qu'on appelle OX, c'est des facteurs transcriptionnels. Donc, c'est un caractère génétique. Si je voulais appliquer ces mesures-ci pour mesurer le rôle de l'environnement sur la variabilité et des gènes sur la variabilité, qu'est-ce que je ferais?
Donc cet exemple-là, je l'ai repris de Plomin, de Robert Sapolsky. Robert Sapolsky, c'est un professeur de Stanford qui est un spécialiste de la biologie du comportement et qui a un cours sur Internet formidable, de 25 séances de 2 heures, où il parle de tous les aspects du comportement. C'est quelqu'un qui passe la moitié de son temps à observer des primates. Je vous reparlerai de lui quand je viendrai à la neurobiologie. Donc, c'est un neurobiologiste et neuroendocrinologiste aussi. Donc il fait d'une part du travail de terrain sur les primates et d'autre part du travail de labo où il analyse le rôle des hormones et de la transmission neuronale et le fonctionnement du cerveau et le rôle du fonctionnement du cerveau sur le comportement. Et un des exemples qu'il dit pour expliquer ce doute que la plupart des gens expriment par rapport à toutes ces études d'héritabilité, c'est que donc, dans l'espèce humaine, tous les individus presque ont 5 doigts, donc la variabilité est très très faible, mais si on regarde les phénotypes, ben, on va trouver qu'il y a parfois des individus qui ont moins que 5 doigts. Très souvent, c'est lié à des accidents de travail. On va d'ailleurs sans doute trouver qu'il y a une interaction entre l'environnement avec l'environnement, puisque ça va dépendre du type de profession qu'on exerce. C'est plus facile de se couper un doigt quand on est menuisier que quand on est professeur. Enfin, sauf si on est professeur de menuiserie. Et donc, dans cet exemple-là, si je voulais mesurer l'héritabilité, eh bien, j'ai une certaine variabilité dans la population. Certains individus ont 0 doigt, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'entièreté de cette variabilité, à part les quelques cas d'individus qui naissent avec 6, mais même, de toute façon, je ne le verrai pas du point de vue phénotypique, puisqu'on les coupe à la naissance. Donc, tout le monde a 5 doigts ou moins. Et l'entièreté de cette variabilité s'explique par l'environnement et non pas par la génétique. Donc, je conclurai sur ce trait-là que le nombre de doigts d'un individu a une héritabilité nulle. C'est ce que cette mesure va me dire. Et donc, c'est une mesure qui est vraiment très, très contestée. Donc, passons à la suite. Le sixième doigt n'est pas mobile. Pardon ? Le sixième doigt n'est pas mobile. Le sixième doigt, je ne sais pas s'il est mobile. Il est mobile ? Oui ? Il est mobile, oui. Et il y a deux phalanges. Il y a deux phalanges, comme le pouce. C'est ça. Merci. À naissance, non paterne. Oui. Alors, on pourrait même les prendre en compte, hein, mais sans doute ça interviendrait tellement peu qu'on dirait qu'il y a un petit peu de variance génétique, un petit peu de la variance qui s'explique par la génétique, c'est les quelques individus qui ont 6 doigts, et tout le reste de la variance entre individus s'explique par l'environnement. C'est les gens qui ont perdu leurs doigts en travaillant, ou autrement, dans des accidents. Par la chimie. Les molécules chimiques. Parce qu'il y a plein de gamins qui sont... Oui, c'est juste, c'est juste. Avec la... Oui, oui, des accidents de... Enfin, des accidents. Oui. C'est l'environnement. C'est l'environnement, ça fait partie de l'environnement aussi. Oui, oui, absolument. Bon, donc, héritabilité, je pense que ça valait la peine d'un petit peu remettre les pendules à l'heure parce que c'est quelque chose qui a un poids médiatique très important. Quand quelqu'un vous annonce que l'intelligence a une héritabilité de 80% ou de 50%, enfin les estimations varient entre 50-60%, que l'Alzheimer a une héritabilité de autant de pourcents, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire forcément que ça se transmet de façon... C'est pas la même chose que la transmission génétique. C'est deux choses séparées. Les deux sont liées à la transmission génétique, mais ce chiffre est difficile à interpréter, d'héritabilité. Ce n'est pas ce que le mot donne l'impression que c'est. Alors, donc, on va passer à l'étape suivante. Comment fait-on pour découvrir les gènes candidats ? Des gènes impliqués dans une maladie. Okay, on va dire ça, impliqués. Enfin, impliqués dans une maladie dans ce cas-ci, parce qu'on continue à parler de la maladie d'Alzheimer. Mais bien entendu, toute cette batterie de méthodes que je suis en train de vous exposer, après, je vais revenir dessus pour parler des autres traits de comportement et de la personnalité. Donc, études de liaison. Alors, les études de liaison, ce qui est très important, ce qui est très intéressant dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a découvert 4 gènes qui sont liés à la forme familiale de la maladie. La forme familiale, on l'appelle ainsi parce qu'elle se transmet de manière mendélienne. Alors, la première figure numéro 3 que vous avez là, en fait, sur cette figure, c'est une étude de liaison, ce qu'on appelle une étude de liaison, une étude au sein d'une famille, une étude de pédigré. Et donc vous avez, le schéma représente un pédigré, je vais vous l'expliquer, je vais le redessiner schématiquement puisque vous l'avez sous les yeux, mais je vais vous l'expliquer. Donc dans ce schéma, les carrés représentent les mâles, enfin les hommes, et les ronds
les femmes. Et quand on marque un individu en noir, ça peut être une femme ou un homme a priori, ça veut dire qu'il est atteint par la maladie, et quand il est en blanc, c'est qu'il n'est pas atteint par la maladie. Donc ici, on a un couple qui procrée et il donne un individu, il donne deux individus mâles, et les deux individus, enfin ils ont deux enfants, deux garçons, et les deux garçons, enfin quand ils deviendront grands en fait, vont tous les deux aussi avoir la maladie d'Alzheimer. Alors, dans ce schéma-ci, ensuite vous avez la descendance de chacun de ces deux garçons, et il s'avère que c'est un cas particulier où ils se sont mariés avec deux sœurs. Donc c'est pour ça que ça se croise. Normalement, ça ne se croise pas ces arbres-là. Hein? Normalement, donc ici, vous avez ce garçon-là qui s'est marié avec une femme, celui-ci aussi. Et puis on regarde leur descendance. C'est un cas particulier ici, on a deux sœurs. Ça va avoir un impact, évidemment, sur les taux de similarité, parce que ces deux sœurs partagent elles-mêmes 50% de leur génome. Donc ici, les cousins vont avoir des relations spéciales, mais ça n'a pas d'importance parce que dans le cadre de cette étude-ci, on va regarder que les frères et sœurs. Alors, ces individus-là aussi, ils sont barrés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont décédés. Ces quatre-là sont décédés au moment où on fait l'étude. Et on va regarder la génération suivante. Et la génération suivante, c'est vraiment un très très beau cas pour une étude de liaison parce que c'est une famille, comme vous le voyez, où il y a un des frères qui a été, enfin un des couples qui a été extrêmement prolifique. Hein ? Ils ont eu 10 enfants. Et alors, ils ont eu 10 enfants. Alors ceux-là, on les représente par des triangles. Pourquoi ? En fait, on connaît évidemment leur genre, mais on ne veut pas l'exposer pour des raisons de confidentialité, parce que dans l'endroit où se fait l'étude, il n'y a pas énormément de familles. Il y a 10 enfants, dont la moitié souffre de l'Alzheimer. Voilà. Donc on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'y suis. Okay. Je ne vais pas montrer l'autre fratrie, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je veux juste vous expliquer la méthode. Et dans ces 10 enfants, eh bien, on regarde lesquels, au terme de leur vie, enfin, ou à l'âge où on fait l'étude, ont déclaré la maladie. Alors, c'est vrai que parmi les 5 qui ne l'ont pas déclaré, a priori, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je pourrais imaginer qu'il y en a un qui va encore la déclarer dans 5 ans, dans 10 ans. Mais au moment de l'étude, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va essayer de tracer le passage des chromosomes, entre les générations. Ça, c'est le principe de l'étude de liaison. Et en fait, on s'intéresse à un chromosome. Dans ce cas-ci, sur cette figure-ci, c'est le chromosome 21. Mais évidemment, on fait la même analyse, hein, sur base de ces familles-là. On va faire l'analyse du chromosome 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ce qui se passe, c'est que dans le cadre du chromosome 21, on trouve une régularité. Et c'est quoi la régularité ? Je vais représenter en couleur les 4 chromosomes dont peut hériter chacun des individus ici. Pourquoi 4 ? Bien, parce que le père a lui-même un chromosome, je vais le marquer en bleu, il a un chromosome dont il a hérité de son père et il a un chromosome dont il a hérité de sa mère. La mère, elle avait 2 chromosomes, je vais les représenter par des couleurs arbitraires. Hein, donc voilà, la mère, elle avait un chromosome vert et un chromosome rouge et le père, il avait un chromosome bleu et un chromosome noir. Mince, je me suis trompé, je n'ai pas fait les mêmes couleurs. Non, je me trompe, je vais faire celui-là. Celui-là, il est rouge. Oui, parce que j'ai déjà dessiné ici. Attendez, ah mais non, c'était bon, c'était très bon, c'était très bon. C'était vraiment très bon, c'est de sa mère, oui, voilà. Il a hérité de sa mère, voilà. Donc, le père a un chromosome bleu, un noir, et la mère, un rouge, un vert. Et je vois que ici, l'individu qui souffre de la maladie d'Alzheimer, le père de toute cette fratrie, lui, il a hérité du bleu de son père et du rouge de sa mère. Et puis on va regarder quels sont les chromosomes. Comment on va faire pour savoir d'où vient le chromosome ? On va utiliser des marqueurs génétiques. Je vous ai expliqué la fois passée qu'il y a plein de régions dans le génome où on a ce qu'on appelle des microsatellites. Il y avait une des figures de la fois passée où on avait une répétition d'un trinucléotide CAG, 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 CAG. Et je vous ai dit que d'un individu à l'autre, le nombre de répétitions varie. Dans cette salle, sur ce microsatellite-là, toutes les personnes qui sont ici ont on a chacun notre nombre particulier de répétitions. Ces microsatellites sont ce qu'utilise la police actuellement pour reconnaître les gens, pour faire de l'identification sur base d'échantillons d'ADN. Alors, au-delà de ça, l'intérêt c'est que ces microsatellites, on dispose de milliers de microsatellites dont on sait précisément où ils se trouvent sur le génome.
Donc sur cette base-là, on va faire un génotypage de chaque enfant, un génotypage du père, de la mère, des grands-parents, et puis on va pouvoir retracer. Alors s'ils sont décédés, on ne va pas faire le génotypage, mais on va essayer d'inférer le génotype des grands-parents à partir de la cohérence entre ceux des enfants. Mais au terme de toute cette analyse, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les 5 individus qui souffrent d'Alzheimer, c'est ce qui est en noir sur votre schéma, ils ont tous hérité d'un chromosome paternel qui provient du grand-père qui souffrait de la maladie. Alors que les 5 qui n'en souffrent pas, ça devient un tout petit peu plus compliqué, je vais reproduire le dessin. Alors, ils ont aussi hérité chacun d'un chromosome maternel, je ne sais pas lequel c'est. D'un chromosome maternel, c'est-à-dire que leur mère, elle a aussi 2 couleurs. Ben, je ne les ai pas les couleurs en fait, parce que j'ai que 4 couleurs. Mais bon, je pourrais mettre un jaune et un jaune et un brun, ça n'a pas d'importance. La barre que vous voyez ici, chaque fois à droite, c'est le chromosome maternel, mais comme la mère ne souffre pas de la maladie, ça ne va pas nous intéresser de le suivre. Ce qu'on veut suivre, c'est le chromosome dont ils ont hérité de leur père. Ça va être soit un noir, soit un rouge. Et donc les 5 autres enfants, leur chromosome paternel, c'est un rouge. Et vous voyez une petite subtilité. Alors je vais venir sur la subtilité après, mais pour le moment, en gros, on va considérer ça. Pardon ? Ce chromosome-là, effectivement, c'est le chromosome qui vient de la grand-mère paternelle. Exactement. C'est le chromosome. Donc, dans les 5 bleus, ça vient du père. Les 5 rouges viennent du père. Mais les 5 bleus ont été hérités du père à partir du chromosome grand paternel. Et les 5 rouges ont été hérités à partir du chromosome grand maternel. Et ce qu'on constate, c'est que les 5 individus qui ont la maladie sont ceux qui ont hérité du chromosome du grand-père, dont on sait qu'il a la maladie, et que les 5 autres sont ceux qui ont hérité de la grand-mère, dont on sait qu'elle n'a pas eu la maladie. Donc là, le cas est hyper clair. On dit, tiens, ben, ce chromosome-là, qui est en l'occurrence le chromosome 21, sans doute qu'il y a un gène qui est vraiment responsable du caractère. Responsable au sens mendélien. Mais on peut aller un peu plus loin, parce que la façon dont on hérite des chromosomes, on n'hérite pas du chromosome entier. Parfois, il y a ce qu'on appelle des recombinaisons. Et là, vous voyez qu'il y a un endroit, un des individus, où il y a un petit morceau de... pas vraiment la moitié, moi, un tiers du chromosome, qui vient d'ici, et les 2 autres tiers qui viennent de là. Parce que parfois, au moment où on forme les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, les chromosomes homologues vont se recombiner, c'est-à-dire qu'ils vont échanger des morceaux de leur... Donc, au départ, au moment où on a la division cellulaire, chaque chromosome est dupliqué, répliqué. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un croisement ici, ce qu'on appelle crossing over, en anglais crossing over. C'est les bras de chromosomes se croisent et en fait chacun part avec le reste du bras de l'autre. Et ça, c'est un des mécanismes très importants en génétique des populations pour le brassage des gènes, pour la recombinaison des gènes au sein des populations. Et ici, on voit un cas. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que comme cette personne-là ne souffre pas de la maladie, on peut déjà restreindre nos régions candidates à cette région-ci du chromosome 21. Et dans l'autre fratrie, vous voyez qu'il y a un cas un peu similaire. Vous avez un autre individu qui a hérité du chromosome de la grand-mère, mais avec un bras du chromosome paternel, le grand paternel. Et cet individu-là, il ne déclare pas la maladie non plus. Ça, c'est un des enfants de l'autre couple. Et donc, on peut déjà exclure ces 2 régions-ci. Et on dit, la région qui est liée à Alzheimer, c'est cette région-là. C'est cette région-ci, en fait. Ça, c'est la région qui est où se trouvent les gènes, où se trouvent vraisemblablement les gènes qui sont responsables de la maladie. Donc, on a identifié que c'était sur le chromosome 21 et en plus, dans cette région-là. Ça, sur base d'une seule famille. Mais quand on fait cette étude-là, on essaie de trouver le plus de familles possible. On va peut-être avoir 10, 20 familles. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des familles où il y a beaucoup d'enfants. Ça, c'est une famille un peu idéale. Une famille où on a 10 enfants dans la même fratrie. Il y en a 5 qui ont la maladie, 5 qui ne l'ont pas. Et puis, on voit une telle correspondance, c'est formidable. Enfin, c'est formidable pour le chercheur, hein, c'est pas... Entendons-nous. Est-ce qu'avec un cas de possibilité de maladie, est-ce qu'ils peuvent transmettre les deux là qui ont un bout? Non. Pas du tout. Pas du tout.
Et donc, on sait que le gène, il est ici. Il est là, d'accord. Enfin, on le sait pour d'autres études. Pour le moment, donc ça, ça s'appelle une étude de liaison. OK ? Et donc, si sur cette famille-là, je peux déjà déterminer que je suis dans, en gros, il y a une moitié du chromosome 21 qui reste candidate, puis je regarde dans une autre famille, je vais aussi voir si c'est lié au chromosome 21. Si ce n'est pas lié au chromosome 21, ça pourrait être que la maladie a plusieurs causes possibles. Et c'est le cas d'ailleurs. Dans cette maladie-ci, on connaît au moins 4 gènes qui provoquent la forme familiale de la maladie d'Alzheimer. 4 gènes différents. Donc dans une famille, on va détecter quelque chose sur le chromosome 21, et puis on va faire dans la même étude, on va détecter que dans une autre famille, on a un candidat sur le, gène, sur le chromosome 17. Et donc on va avoir plusieurs régions génomiques candidates. Mais ces régions, en fait, donc, au terme d'une étude comme ça, on a des régions génomiques, ou des régions chromosomiques plus précisément. Hein, on sait sur quel chromosome. Chromosomique. On a des régions chromosomiques candidates. C'est le résultat d'une étude de liaison. Mais cette région chromosomique candidate, elle peut inclure 10 gènes, 20 gènes, 30 gènes, 50 gènes, selon les événements de recombinaison qu'on a eus et selon les marqueurs dont on dispose, parfois la région va être un petit peu large ou étroite. Donc ça ne nous donne pas encore le gène, ça nous donne une région où vraisemblablement il y a un gène. Oui, alors, oui, voilà. Donc, cette approche-là, qui s'appelle approche d'étude de liaison, où on fait un suivi dans les familles, ne fonctionne que pour des traits physiques ou de comportement ou des maladies qui se transmettent de façon simple, c'est-à-dire avec un seul gène ou bien plusieurs gènes, mais qui chacun suffisent à donner la maladie. Comme c'est le cas pour Alzheimer, il y a 4 gènes, mais chacun d'entre eux, si on a le mutant, ça suffit pour donner la maladie, pour avoir la transmission familiale. Combien de régions ? Ça dépend du nombre de marqueurs dont on dispose. Il y a certaines études, par exemple, à la fin des années 90, où on disait, là, on a travaillé avec 1800 marqueurs. Donc, comme le génome, il y a 23 chromosomes, mais les marqueurs sont dispersés sur les chromosomes, là, on se retrouve avec, en gros, 2000 régions. On a 2000 régions, donc on saucissonne le génome en 2000 régions. Et on ne peut pas avoir une précision plus grande que le nombre de marqueurs dont on dispose. Et justement, c'est là que vient le troisième type d'études, les études où on va analyser le génome complet. C'est des études d'association, donc c'est l'approche que j'avais appelée 2.1. Et ici, justement, au lieu d'utiliser les marqueurs qui sont les microsatellites, donc les répétitions CAG, 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 on utilise l'autre type de marqueur qu'on appelle des single nucleotide polymorphisms. Et là, en fait, c'est un domaine qui a accéléré énormément ces dernières années à cause de deux inventions technologiques que je ne vais pas vous exposer maintenant. Enfin, à cause d'une invention technologique, c'est une invention d'une technologie qui permet de mesurer des centaines de milliers de marqueurs simultanément sur un individu. Vous avez une figure qui représente ça, ça s'appelle les biopuces, les microarrays. Je ne vais pas vous expliquer les détails, mais sur cette biopuce, on appelle ça une biopuce, chaque point représente un polymorphisme, une région polymorphique, un SNP, une position précise, un nucléotide précis, où certains individus ont un nucléotide, le A, et d'autres le G. Ou bien pour un autre point, ce sera certains individus ont un G et d'autres un T, etc. Donc sur chacun de ces points représente une position précise au nucléotide près sur le génome, et c'est une position où dans une population donnée, on sait que les individus ont deux formes possibles et qu'au moins 5% des individus ont l'une des deux formes. C'est les SNPs qu'on a mis sur cette puce-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on caractérise donc 1 million, enfin dans les premières études, on faisait 500 000 SNPs, maintenant on fait 1 million de SNPs sur un tas d'individus. Et on va typiquement faire des études où on a un grand nombre de cas. Donc on va prendre 3000 individus qui souffrent d'une maladie, 2000 qui n'en souffrent pas. Donc on va appeler ça les cas, ceux qui souffrent de la maladie, les contrôles, ceux qui n'en souffrent pas. Puis on va faire le même genre de calcul que je vous ai montré pour les études de jumeaux. Sauf qu'au lieu d'avoir 2, 5, 40 et 5, enfin 40 et 21, on aura des milliers d'individus. Et là, donc, on va avoir des statistiques qui seront plus robustes.
Et on va représenter les résultats de cette analyse sur les graphiques dont vous avez d'une part un exemple avec sept maladies, avec, il y a sept maladies différentes qui ont été analysées sur la figure de la première fois, sur la figure 10 de la première séance. Et d'autre part, maintenant, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, c'est que sur la feuille de figure d'aujourd'hui, je vous ai fait le même type de représentation pour la maladie d'Alzheimer. Et en fait, le schéma est hyper clair. Sur ce schéma-là, l'axe horizontal représente la position génomique. Donc, je vous ai dit que le génome humain faisait 3 milliards de paires de bases. Eh bien, sur cette échelle-là, on a l'ensemble du génome. Et vous voyez qu'il y a des couleurs successives différentes. Hein, on passe rouge, bleu, mauve, etc. Et en fait, chaque changement de couleur correspond à un changement de chromosome. Donc, on a symbolisé les chromosomes côte à côte. Donc ça, c'est l'axe horizontal. Et l'axe vertical, ce qui représente, c'est à quel point le SNP en question, donc la variation en question, elle est biaisée, elle est déséquilibrée, elle est plus fréquente chez les malades que chez les contrôles. Donc, si à un endroit du génome, j'ai deux formes de la séquence, certains individus ont un A et d'autres un G, et que je constate que la proportion d'individus qui ont le G est beaucoup plus élevée chez les patients que chez les contrôles, je vais dire que ce nucléotide-là, il est associé à la maladie. La fréquence des A et des T, hein, chaque individu a soit A, soit T, la fréquence des A et des T va différer entre les gens qui souffrent de la maladie et ceux qui n'en souffrent pas. Et ça, on va le représenter par la hauteur. C'est des statistiques, c'est des calculs de probabilité. Donc plus un point est haut, plus la différence est significative. Et ici, vous voyez bien que pour la plupart, enfin, vous avez une sorte de grosse barre colorée qui est tout à fait pleine parce qu'on a un million de points qui sont dessinés là-dessus. Et la plupart d'entre eux, ben, ils ne sont pas très hauts, mais ils fluctuent de temps en temps. Et puis quand ils passent au-dessus de la barre rouge, vous voyez la ligne horizontale rouge, les points qui se situent au-dessus de cette ligne horizontale rouge, là c'est qu'on a atteint un niveau de significativité très élevé. C'est-à-dire que le déséquilibre est tellement grand entre les proportions d'individus qui ont le G ou le A et qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades, que ça ne peut pas s'expliquer par des fluctuations aléatoires. Ça ne peut pas s'expliquer par le hasard. Et donc, on pense que c'est parce que ce SNP-là est dans une région qui est impliquée dans la maladie. Donc, on peut détecter des régions, sauf qu'au lieu d'avoir 2000 marqueurs qui sont répartis sur le génome, on en a 1 million. 1 million sur un génome qui fait 3 milliards. Ça veut dire qu'en moyenne, on a un marqueur tous les 3000 paires de bases. Or, on a 1 million de marqueurs, mais il y a 25 000 gènes dans le génome humain. Donc, on a plusieurs marqueurs par gène. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, il y a une région où il y a plusieurs points qui sont au-dessus de la barre, mais ils sont vraiment presque au même endroit. C'est parce qu'il y a un gène qui est impliqué dans la maladie. Et ce gène-là, c'est le gène APOE. Et ce gène-là, en fait, il y a trois marqueurs. Il y a trois variations dans ce gène-là qui sont connues. Et chacune de ces trois variations-là, on la trouve plus fréquemment chez les malades que chez les personnes saines. Et donc là, on a attrapé un gène. On a attrapé un gène, APOE, un gène candidat. Et puis, on a deux autres gènes candidats. C'est ça, CLU et PICALM. Bon, voilà. Donc, on a trois gènes candidats. Alors, je vais juste vous donner l'histoire du gène APOE, et puis on va passer à la discussion. Ben, ce gène-là, on connaît très très bien sa fonction aussi. C'est la polypoprotéine E. En fait, c'est une... ici, cette étude-là, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est important. Cette étude-là, on l'a menée non plus sur la forme familiale de la maladie, mais sur la forme sporadique. Alors, justement, c'est le genre d'étude qui sert exactement à faire ce qu'on ne peut pas faire avec les études de liaison. C'est vraiment les deux approches complémentaires. Étude de liaison, ça fonctionne. Ça fonctionne quand on a une maladie qui est associée à des gènes et où chaque gène, chaque variant, vraiment a une pénétrance très très importante, c'est-à-dire que si on a le variant, on a très forte chance d'avoir la maladie, et sinon pas. Les études d'association fonctionnent pour détecter des loci, des positions génomiques, où il y a ce qu'on appelle une pénétrance assez faible, c'est-à-dire que ça va biaiser les proportions de déclenchement de la maladie, mais ça va biaiser de quelques pourcents. Hein, on aura 3% de cas dans un autre, 6% de cas avec un des allèles, 6% avec l'autre. Etc. Donc on aura des faibles pourcentages, mais si on a beaucoup d'individus, ce sera significatif. Et ici, dans cette étude-là, il y avait 16 000 individus dans cette étude-ci. 16 000 individus.
16 000 individus, dont un certain nombre sont malades et d'autres pas. Donc ici, on a attrapé les gènes. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette apolipoprotéine E ? Dans le système nerveux, elle transporte le cholestérol. En fait, elle fait passer le cholestérol du milieu extérieur vers les cellules. Donc, on comprend la fonction de cette protéine-là. C'est une protéine qui intervient aussi ailleurs que dans le système nerveux. Mais cette protéine a deux formes. Une des formes augmente la probabilité de déclencher la maladie et l'autre n'augmente pas. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très significatif. On voit qu'il y a une association très significative. Mais en fait, les pourcentages sont très très faibles. C'est-à-dire que si vous avez la mauvaise forme de la protéine, ça ne veut absolument pas dire que vous allez avoir la maladie. Parce que d'une part, cette protéine n'agit pas toute seule. C'est-à-dire que selon les autres variations qu'on va avoir sur d'autres gènes, peut-être que la forme particulière qu'on a pour le gène ApoE va augmenter la probabilité d'avoir la maladie ou va l'augmenter un peu moins. Donc d'une part, dans les études d'association, on doit travailler avec des grandes cohortes, des milliers d'individus, cohorteux, des grands bataillons d'individus. Ça fonctionne pour détecter des phénotypes avec des faibles pourcentages, en fait, de faibles pénétrances. On peut détecter des gènes multiples, enfin plusieurs loci, quoi, plusieurs localisations génomiques, un tas de localisations génomiques. Donc c'est des méthodes qui permettent d'aller pêcher les gènes. Et une fois qu'on sait ça, là, le cas qu'on connaît le mieux, c'est pour les Alzheimer, donc la forme familiale de l'Alzheimer. Donc ça, c'est la dernière figure dont on va discuter aujourd'hui. C'est la figure qui est la figure 2, en fait. Je l'avais placée en figure 2. Donc ici, on est déjà dans la troisième étape, c'est comment ça fonctionne, les mécanismes. Alors, je vous ai dit que dans les symptômes histologiques de l'Alzheimer, ce qu'on constate, c'est qu'il y a les plaques de sénilité, dans la forme familiale, il y a les plaques de sénilité. Et ces plaques de sénilité, je vous ai dit qu'elles étaient liées au fait qu'on retrouve un peptide, un oligopeptide, un peptide de 42 acides aminés dans le milieu extracellulaire. Alors si je représente maintenant la membrane, donc la figure représente la membrane cellulaire. Donc ici, vous avez le neurone. Bon, la membrane, elle fait comme ça. Et puis ici, vous avez le milieu extracellulaire. Là, le gène qu'on a découvert avec les études de liaison dans les familles, c'est un gène qui code pour une protéine qui va se loger dans les membranes. Donc c'est le précurseur du peptide de l'amylase. Et en fait, il y a d'autres enzymes qui vont, il y a d'autres protéines, en fait il y a des protéines qui vont couper ce précurseur, mais qui vont le cliver. Et il y a deux possibilités, soit on va le cliver à cet endroit-ci, soit on va le cliver à cet endroit-là. Et ça va relâcher des petits peptides, ces fameux petits peptides, les peptides bêta-amylase, dans le milieu extracellulaire. Et en fait, ces peptides, on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Il y a un tas de fonctions qu'on a essayé de leur assigner, mais en gros, on est encore perplexe. Il n'y a personne qui pourrait dire quelle est la fonction précise de ces peptides-là. Par contre, donc, le premier gène qu'on a détecté avec les études de jumeaux, on a détecté 4 gènes. Le premier gène, c'était APP, qui se transmettait dans les familles, donc avec les études, pardon, pas avec les études de jumeaux, je reviens. Le premier gène qu'on a détecté avec les études de liaison, donc ce genre d'études-là, celui qui est précisément localisé sur le chromosome 21, c'est le gène qui code pour cette protéine-là. C'est le gène, en fait, qui fabrique la protéine qui va provoquer l'apparition des plaques de sénilité. Donc c'est parfaitement cohérent. En plus, ce gène est localisé sur le chromosome 21 et on sait que la prévalence de la maladie d'Alzheimer est plus importante chez les personnes qui souffrent de la trisomie 20, du chromosome 21. Et il y a un déclenchement parfois très précoce. Et bon, ben, ils ont 3 chromosomes 21, donc s'ils ont 2 copies du chromosome qui a la mauvaise forme de l'APP, eh bien, ça va accélérer le déclenchement de la maladie. Le deuxième gène qu'on a trouvé, on a trouvé une paire de gènes qui se ressemblent, qui s'appelle
PSEN, la sénéline. Donc c'est PSEN1 et PSEN2. Donc à l'époque on les a appelés, on ne connaissait pas bien leur fonction, donc on leur a dit bah, c'est la sénéline parce qu'on voit que c'est des gènes qui sont associés à la sénilité. Enfin, mais en fait, ensuite on a caractérisé leur fonction et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gènes-là codaient pour des enzymes et ces enzymes, c'est les enzymes que je marque en rouge ici qui vont effectuer le clivage de la polypoprotéine. Donc c'est parfaitement cohérent aussi. Là, on comprend que si on a une forme de l'enzyme modifiée, elle ne va pas cliver au bon endroit et ça va provoquer le dépôt dans le milieu extracellulaire, la concentration d'une mauvaise forme du peptide. Alors que si on le clive au bon endroit, on n'aura pas cette mauvaise forme du peptide. Et le dernier gène qui a été détecté, mais ça je vous l'ai déjà dit, c'est le gène Tau. Et celui-là, c'est celui qui n'a rien à voir avec ces plaques de sénescence, mais qui a à voir avec les neurofibries, c'est-à-dire c'est celui qui permet de faire les fibres ici au bout, et qui, quand il a une mauvaise forme, ben, les fibres sont mal formées. Lui, il va dans les maladies non familiales ? Familiales. Donc ça, c'est les quatre associés aux maladies familiales. Et le gène qu'on a associé aux maladies sporadiques, le premier qu'on a trouvé, ça c'est celui que vous voyez dans l'étude d'association qui est là, c'est le gène APOE, qui lui est impliqué dans le métabolisme du cholestérol. Donc ça n'a rien à voir avec ceci, mais pour une certaine raison, le métabolisme du cholestérol influence visiblement les voies métaboliques ou les voies de dépôt ou les voies biochimiques qui modifient ces protéines-là. Voilà, donc ça c'était un petit peu le corps de ce que je voulais dire aujourd'hui sur la maladie d'Alzheimer. Le quatrième point dont je n'ai pas encore parlé, c'est les pistes thérapeutiques. Alors aujourd'hui, ben, pas beaucoup effectivement. Aujourd'hui, on ne soigne pas l'Alzheimer. Par contre, il y a eu des expériences qui ont été faites au début des années 2000 avec de l'immunothérapie. Donc on a fait des vaccins, on a essayé de faire des vaccins pour susciter une réponse immunitaire qui fait que il y a des anticorps qui vont reconnaître la protéine, la polypropotéine, enfin le peptide qui est relâché, le peptide amyloïde, de telle sorte que le système immunitaire va détruire ce peptide. Donc l'idée, c'est d'utiliser le corps pour résoudre la maladie. Et ce qu'on a montré chez des souris, c'est qu'effectivement, on a des modèles de souris où on a artificiellement suscité la maladie en injectant dans ces souris le gène qui provoque une mauvaise forme du peptide amyloïde. Et ce qu'on montre, c'est que chez ces souris-là, effectivement, si on les vaccine, on obtient une réponse immunitaire et qu'on diminue la concentration du peptide toxique dans le milieu extracellulaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est encourageant. Et puis, on a fait, vers 2003-2004, on a fait des études de phase clinique 1, des études cliniques de phase 1, c'est-à-dire avec des patients. Et on a aussi observé qu'il y avait une diminution de la concentration du peptide, mais malheureusement, d'une part, ça n'a pas ralenti le processus de dégénérescence des neurones, et d'autre part, ça a provoqué des effets d'inflammation et des problèmes d'inflammation du cerveau. Et donc, on a arrêté ça. Depuis, on ne fait plus d'immunothérapie. C'est encore des pistes de recherche. Mais donc une des pistes, c'était effectivement d'utiliser cette connaissance des protéines pour chercher des pistes thérapeutiques. Et là, il y a un très très gros enjeu, évidemment, parce qu'il y a des populations assez importantes qui sont touchées par la maladie. Donc c'est une recherche qui est en cours, où il y a des tas de recherches très actives. Et il est possible qu'un jour, on débouche sur une maladie. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est assez intéressant, parce qu'on voit très très bien, si on suit toutes les étapes depuis le début, on mesure qu'il y a une héritabilité dont on ne sait pas trop quoi faire, ni comment l'interpréter, ni si elle est réellement très très solide. Ensuite, on va à la pêche aux gènes par deux méthodes différentes, et chacune de ces méthodes nous ramène des gènes qui sont différents, parce que les uns sont liés à une des formes de la maladie qui se transmet au sein des familles de façon mendélienne, et ça c'est la méthode de la liaison génétique. La deuxième méthode, qui est la méthode des associations, c'est celle avec tous les petits points sur le graphique ici, qu'on appelle un graphique de Manhattan, parce qu'il y a des buildings plus ou moins hauts. Dans cette méthode-là, on analyse l'autre type de la maladie qui représente l'énorme majorité des patients
et où la transmission est beaucoup moins simple. Et là, on détecte effectivement, dans cette étude-là, on a détecté 3 gènes qui étaient associés à la maladie. Dans d'autres études ultérieures, on a détecté une vingtaine, mais où la significativité est moins élevée. Mais en gros, aujourd'hui, on a une vingtaine de gènes candidats pour cette maladie-là. Une fois qu'on a ces gènes, on passe à la troisième étape, qui est d'essayer de comprendre comment ça marche, du point de vue moléculaire, du point de vue de l'action des protéines. Et ça marche assez bien, en fait, avec les méthodes actuelles de la biologie moléculaire, on peut comprendre l'action de ces gènes. Et ensuite, ça peut ouvrir des pistes thérapeutiques. On n'est pas au bout de cette aventure-là. Il y a des tas de chercheurs, il y a des dizaines de laboratoires qui travaillent sur ce sujet aujourd'hui. Et on peut espérer qu'un jour, il y ait des solutions. Donc ici, j'ai traité le cas vraiment le plus simple, celui d'une maladie où le diagnostic ne pose pas de problème, où il y a des cohortes très très grandes, où on a mis les moyens parce que c'est une maladie importante pour l'analyser, et on voit qu'on peut avancer dans le processus. La fois prochaine, ce que je vous montrerai, c'est comment ces 4 mêmes étapes peuvent être appliquées à des choses beaucoup plus complexes qui sont des traits du comportement et de la personnalité et éventuellement des pathologies. Mais à l'heure actuelle, on peut vraiment faire un diagnostic de la maladie d'Alzheimer par rapport aux autres démences ou non ? Alors, je ne suis pas un expert de la maladie d'Alzheimer, mais on le fait en tout cas. C'est-à-dire dans toutes ces études-ci, ce qu'ils font, c'est qu'il y a... Celui histologique, oui. Celui histologique, on peut le faire qu'après la mort du patient. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas des moyens de faire le diagnostic d'autres façons avec... Pardon ? Ouais, je ne sais pas. Je pourrais me renseigner, mais je ne sais pas. Au niveau ? Les symptômes. Oui. Les symptômes cliniques, oui. Oui, absolument. Très hétérogène. Et je me demande si on peut appeler encore, est-ce qu'il s'agit encore d'Alzheimer quand c'est une maladie qui se déclare à 85 ans ou 90 ans, quoi, par rapport, je ne sais pas. Alors, Alzheimer en 1906 l'a défini par rapport à un corps de symptômes particuliers, de symptômes cliniques. À partir du moment où on commence à évoluer dans la connaissance de la maladie et qu'on voit qu'on associe cette maladie à des symptômes histologiques, mais effectivement, un des problèmes là, c'est qu'on peut les avoir qu'après la mort du patient. Il y a d'autres critères, en fait, il doit y en avoir d'autres, parce que dans cette étude des cohortes qu'ils ont suivi pendant 5 ans, ils n'ont pas attendu que les gens soient morts avant de savoir s'ils avaient Alzheimer ou pas. Donc il y a une série de critères que je ne connais pas. Mais dès le moment où on avance dans la connaissance de la maladie, à partir d'un certain moment, je pense que ça va devenir légitime qu'on dise qu'on va classifier comme maladie d'Alzheimer les patients qui ont tel type de symptômes, et notamment le dépôt de plaques amyloïdes ou la formation de neurofibries. Et que, après, effectivement, le diagnostic clinique basé sur perte de mémoire, perte de ceci, etc., qui est difficile, hein, c'est difficile à faire, à établir, à mettre des seuils. Et même en début de maladie, étant donné que le patient est très conscient de ce qui lui arrive, enfin qu'il n'est pas bien, souvent on confond ça avec une dépression parce que voilà, et c'est un diagnostic différentiel important au niveau de la clinique. Ah oui. Souvent on les catalogue dépressifs alors qu'au bout d'un certain temps, ben, c'est dans l'évolution des symptômes qu'on voit que ce n'est pas une dépression. Voilà, c'est la prise de conscience des symptômes qui fait la dépression. Oui, en plus, comme... Il y a le syndrome cortico-basal qui est particulièrement la même chose, ce qu'ils appellent le syndrome cortico-basal, où le patient perd petit à petit la notion des gestes. Par exemple, il ne peut plus composer des chiffres sur un clavier. Il perd la mémoire des mots. Il commence une phrase, elle s'arrête, il ne trouve plus ses mots. Et il perd aussi la coordination des mouvements. C'est une partie. Alors, je posais la question, c'est un ami qui a ça. J'ai posé la question au neurologue, je dis c'est l'Alzheimer. Il m'a dit non, c'est pas l'Alzheimer, mais c'est le cousin germain. Mmh. Oui, enfin, ça, c'est une métaphore. Mais je suppose qu'il s'appelle cortico-basal parce que ça affecte une partie du cortex cérébral. Donc, le cortex, c'est la couche qui enrobe le cerveau. La partie basse, c'est du cortex. C'est ça. Donc, c'est. Mmh. C'est terrible. Hein. Ouais. Si je peux me permettre de réfléchir un peu sur la maladie de Parkinson, puisque j'y suis tout à fait concerné. Et on a actuellement des études très précises qui donnent l'alpha-synucléine comme étant une plaque qui s'installe sur les axones.
Et ça, on l'a repéré dans les neurones qui existent dans les intestins. Les intestins, c'est le deuxième cerveau. Oui. Et c'est une manière de pouvoir... C'est une étude actuellement. Mais c'est une recherche qui déterminerait cette capacité de pouvoir faire des biopsies simples, parce que c'est simple d'atteindre les neurones qui sont situés dans l'intestin, de les analyser pour en vérifier les difficultés. Et on s'aperçoit, en faisant cette étude-là, qu'il y a une prédisposition, effectivement, de ces neurones qu'on peut repérer les plaques d'alpha-synucléine beaucoup plus tôt que les effets du Parkinson. On pourrait prévoir donc la possibilité d'envisager cette maladie à l'avance. Il semblerait que ce soit aussi valable pour la SCD et pour la PSP, la paralysie supranucléaire et la maladie d'Alzheimer, qui se retrouveraient dans le même schéma. Oui. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, effectivement, une des pistes qui n'est pas thérapeutique, mais un des bénéfices de toutes ces études où on est arrivé jusqu'au niveau moléculaire et jusqu'au niveau des gènes et des variations qui sont associées à un risque de déclencher la maladie, c'est que ça peut attirer l'attention pour faire des diagnostics beaucoup plus précoces. C'est-à-dire que si la même personne vient, qu'elle commence à avoir des pertes de mémoire, etc., et qu'on fait un génotypage et qu'on voit qu'elle est associée du point de vue génétique à des facteurs de risque, le diagnostic va être d'une certaine manière renforcé par la présence de ces facteurs de risque. Il y a une question en plus. On se pose la question si ce n'est pas un phénomène comme la maladie de Prostel-Jacob, les prions. Oui. Il ne s'agirait pas d'un prion qui puisse franchir la barrière rachidienne. La barrière qui évite tous les accès des microbes ou de ces choses, mais le prion franchit cette barrière et vient infecter le cerveau. Oui. On se pose la question s'il ne s'agirait pas d'un prion spécifique concernant la maladie de Parkinson, comme la maladie d'Alzheimer, qui viendrait apporter des éléments négatifs au cerveau. Oui. C'est un peu les pistes actuelles qui sont en train de être cherchées par différents groupes en France, mais aux États-Unis, en Allemagne aussi. Oui. Alors, du point de vue de l'analogie avec le prion, enfin de l'analogie du point de vue des mécanismes, effectivement, une des pistes de recherche actuelles, mais le prion, c'est une molécule particulière, c'est une protéine qui est produite par un gène particulier, mais qui a cette propriété qui était tout à fait inconnue avant 1997, que la protéine peut exister dans deux conformations, et dans le cas du prion, ce n'est pas génétique. Hein. C'est la même protéine qui peut se conformer, donc prendre une forme ou une autre forme. Je vous dis que les protéines s'appelaient protéines parce qu'elles ont la capacité de changer de forme, comme le dieu Proté, hein, le dieu Proté qui avait la possibilité de changer sa forme. Donc c'est pour ça qu'on les a appelées protéines. Et dans le cas du prion, il a deux conformations, l'une qui est celle, la conformation normale, et puis il a une autre conformation qui est pathologique, qui est pathogène. Et ce qui est absolument spécial dans le cas du prion, qu'on a découvert avec le prion, qu'on ne soupçonnait pas, et c'est pour ça que ça a été très très difficile pour ces chercheurs de convaincre le monde scientifique de ce mécanisme, c'est que les protéines qui sont mal conformées vont agir sur les protéines qui sont bien conformées et changer leur conformation. Et donc il va y avoir une sorte de contagion de la mauvaise conformation, mais qui passe de protéine à protéine. Et c'est pour ça que je vous avais dit la fois passée, quand Maurice avait posé la question du dogme central, hein, j'avais dit que à maintes reprises, on avait dit le dogme central a été démonté parce que ceci, parce que cela. Un des moments où on a prétendu ça, c'était quand on a découvert les reverses transcriptases. Un autre moment, c'était quand on a découvert le prion. Parce qu'on disait, ah, mais il y a de l'information qui passe d'une protéine à une autre protéine. La protéine a une forme, une autre protéine a l'autre forme, elle confère sa forme à l'autre protéine. Donc là, on voit que, alors, personnellement, donc, si on relit la définition du dogme central, non, ça n'ébranle pas du tout le dogme central, ça c'est une chose. D'autre part, on a appris quelque chose de très important sur les causes de la maladie de la vache folle,
et les causes du syndrome de Creutzfeldt-Jakob, et on a appris un nouveau mécanisme moléculaire. Dans le cas de Alzheimer, le peptide amyloïde, on pense qu'il a les mêmes propriétés que la protéine prion, comme tu dis Jean. C'est-à-dire que celui qui a une conformation toxique pourrait aussi changer la conformation des peptides qui sont dans son environnement et que donc ça provoquerait une accélération des symptômes, effectivement. Je ne connais pas pour la maladie de Parkinson, je ne me suis pas renseigné. C'est une piste de recherche très positive, enfin, qui permet d'avoir enfin une ouverture sur le bout du tunnel pour trouver quelque chose. Ouais. Pour le moment, on n'a pas de réponse. Voilà. Alors, il y a aussi une... Oui, effectivement, on fait de la détection précoce par IRM actuellement. Donc ça, c'est une des pistes. Et ça permet effectivement de, si on fait de la détection précoce, d'anticiper ce qui va se passer avec la maladie. Malheureusement, comme on ne peut pas la soigner, ça permet de savoir ce qui va se passer, mais... Pardon ? Je ne sais pas, je suppose, mais je n'ai pas été regarder les résultats. Par contre, il y a encore une autre piste dont on n'a pas discuté, c'est la thérapie génique. Parce que dans ces cas-ci, par exemple, quand on fait un suivi des familles dans la maladie familiale, ben là, c'est évident que quand vous voyez que dans une famille, le père est porteur d'un allèle, il est porteur de deux versions du chromosome, il y en a une qui est vraiment associée de façon très très forte au déclenchement de la maladie et l'autre pas, et puis que la mère, elle n'est porteuse d'aucun allèle de risque. Donc on peut se dire que si, et c'est un grand si on mettait au point des méthodes qui permettent d'aller réparer les gènes dans les cellules où ils posent problème, alors on pourrait espérer soigner la maladie chez ces individus-ci. Ou pas la soigner, ce qu'on pourrait faire, c'est même mieux, c'est que dès l'enfance, en fait, le jour de la naissance, on peut détecter chez chacun des individus s'il a ou pas l'allèle problématique, Et dès ce moment-là, s'il existait des méthodes de thérapie génique, on pourrait réparer ces gènes. Mais ça n'existe pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic les cellules fécondées et pré-implantatoires ? Ça, on peut faire. Absolument. Ça, donc j'insiste bien, c'est pour ces formes-ci, où il y a vraiment une pénétrance très très importante de la maladie. Dans ces cas-là, ça peut être fait. C'est-à-dire que si dans une famille, on voit qu'il y a une transmission de la maladie liée, par exemple, ici sur le chromosome 21 à un allèle particulier du gène de la bêta-amylase, du peptide bêta-amylase, de APP, donc le précurseur. Ce qu'on peut faire, c'est faire de la fécondation in vitro, détecter parmi les quelques embryons qu'on a réussi à féconder ceux qui sont porteurs et ceux qui ne le sont pas, et faire une implantation de ceux qui ne le sont pas. Donc ça s'appelle le diagnostic pré-implantatoire. En France, c'est autorisé uniquement pour des cas comme ça, c'est-à-dire, et je ne sais pas si c'est autorisé pour cette maladie-ci, c'est autorisé dans un cadre légal tout à fait précis, il y a peut-être des gens dans la salle qui connaissent ça mieux que moi, mais en tout cas, pour des maladies génétiques qui se transmettent de façon familiale, comme ceci, et qui sont associées à des très très graves problèmes pour l'enfant et pour la famille. On le fait par exemple pour le nanisme. Il y a certains cas de nanisme qui sont liés à une mutation dans un gène particulier. Et là, on peut faire un diagnostic pré-implantatoire et faire une fécondation in vitro pour s'assurer que les enfants n'hériteront pas du mauvais gène. Oui, Marc. J'ai lu il y a 15 jours donc sur l'édition de génome. Est-ce que lorsqu'il parle d'édition de génome, est-ce qu'on peut supprimer les gènes qui posent problème dans cette édition de génome ? Ce que je ne sais pas si c'est... Honnêtement, je devrais me renseigner, mais je ne sais pas si ce serait praticable sur des cellules nerveuses. Parce qu'en fait, le gène problématique, ce chromosome-là, il est présent dans chacune des cellules de cet individu. Mais la protéine, le précurseur de la lyase, le précurseur du peptide bêta-lyase, lui, il ne s'exprime que dans le système nerveux. Pourquoi est-ce qu'il n'est produit, donc cette protéine n'est produite que dans le système nerveux ? C'est parce que chaque cellule, il y a une régulation très très fine des protéines que chaque cellule exprime ou n'exprime pas.
Ça, cette régulation, elle est gérée par des facteurs transcriptionnels, dont j'avais parlé à la première séance. Donc, ce qu'il faudrait, c'est en tout cas soit agir de façon très très précoce sur l'embryon, donc ça peut-être que ce serait possible effectivement avant que les cellules commencent à se différencier, de faire une édition de l'embryon pour changer ses gènes. Ceci dit, pour pouvoir faire ça, je pense qu'il faudrait disposer de l'embryon dans un tube. Et donc il faudrait de toute façon faire une fécondation in vitro, une édition et puis une implantation. Et dans ce cas-là, je ne suis pas sûr de voir l'avantage de faire de l'édition par rapport au diagnostic préimplantatoire et à la sélection. Mais donc je pense que c'est une possibilité technique, oui, mais qui en pratique ne sera pas forcément intéressante. Je ne sais pas s'il est possible d'imaginer qu'un jour on puisse faire de l'édition dans toutes les cellules du génome d'un individu qui est déjà développé. Parce qu'alors évidemment ça changerait tout. Là on pourrait faire de la thérapie génique sur l'individu. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Pour revenir sur ce que disait Marc, effectivement, on a dû voir la même munition. C'est une certaine Emmanuel Charpentier. Je ne sais pas si tu as entendu cette dame. Okay, okay. Elle dit effectivement qu'on peut supprimer ou remplacer un gène. Oui, mais où ? Est-ce qu'on peut le supprimer dans un embryon en cours de développement qui est encore une boule de cellules indifférenciées ? Ou est-ce qu'on peut aller cibler les cellules dans lesquelles ce gène pose un problème, ou bien est-ce qu'on peut le remplacer dans l'ensemble de toutes les cellules de l'individu adulte? Non, mais il ne précise pas où, mais déjà, elle oui, on peut. Commence à dire qu'on peut, oui, on peut supprimer et remplacer, c'est quand même pas mal. Parce que ouais. Comme il y a un lien de causalité entre un gène et une maladie... Quand il y a un lien de causalité entre un gène et une maladie... Même dans le doute, ouais. Même si ce n'est pas affirmé à 2000%, il existe... Ce lien de causalité existe. Oui, dans certains cas, non, pour certaines maladies, le lien de causalité est tout à fait clair. Dans d'autres, il est moins clair. On peut dire qu'il existe et qu'on peut. Il existe, donc on va traiter cette cause. Qu'on enlève, qu'on supprime, ça n'a aucune incidence mauvaise de supprimer un gène. C'est obligatoire. On ne va pas vraiment. Ça dépend. Le supprimer. Ah. Alors, non. Une petite précision technique. Alors, non, mais ce que tu poses, c'est une très bonne question, en fait. Le supprimer ou pas ? Dans le cas des gènes suivants, on a fait des expériences sur les souris. Les souris ont aussi un gène qui code pour le précurseur du peptide bêta-amyloïde. C'est chez des souris, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des knockouts, c'est-à-dire qu'on peut casser les gènes. Voilà, on casse les gènes. Et donc, on l'a fait chez la... On peut casser plus facilement aujourd'hui qu'avant, grâce à... Oui, bien sûr. Non, mais on peut... Attends, laisse-moi terminer. Dans certains cas, si on inactive complètement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une inactivation complète du gène. Si on inactive complètement le gène, si ce gène a une fonction, la fonction va être perturbée. Et donc, très souvent dans les maladies, si tu inactives ton gène, l'individu, il meurt simplement. Dans le cas que j'avais présenté à la deuxième séance de la drépanocytose, hein, qui est un cas très simple, c'est l'hémoglobine. Il y a deux formes. Il y a une forme qui fait une hémoglobine qui se conforme normalement, qui permet de bien capter l'oxygène, de le transporter dans le sang, de le relâcher au bon endroit, etc. Et puis, il y a une autre forme, qui fait une hémoglobine qui est complètement déformée, qui forme des fibres, qui déforme les globules rouges, et qui fait que chez les individus qui portent la maladie, les globules sont mal formés, la circulation sanguine se passe mal, l'aération se passe mal, etc. Donc, dans tous les cas, si tu supprimes le gène de l'hémoglobine, ça va être encore pire, ils ne pourront plus respirer. Ils ne pourront même pas se développer, ils ne survivront pas une minute dans un monde où il y a de l'air. Donc, enlever les gènes n'est pas forcément la solution. Par contre, quand on sait que c'est une seule mutation qui fait la différence entre la forme fonctionnelle de l'hémoglobine et la forme qui est associée à la maladie, alors effectivement, ce qu'on peut faire avec cette méthode-là, c'est éditer le gène pour remettre la bonne lettre précisément au bon endroit, pour remettre le bon nucléotide au bon endroit. C'est ça l'idée de l'édition. Alors, la méthode permet aussi de faire des délétions, de faire des insertions, de faire des choses... beaucoup plus sophistiqué que ça.
Mais souvent, dans les maladies, on n'a pas forcément envie de supprimer le gène. Il y a certains cas où on n'est pas sûr que le gène soit nécessaire. Et notamment chez les souris, il y a plusieurs des gènes qui sont impliqués dans l'étiologie de Alzheimer, où on a essayé, pour comprendre la fonction du gène, de faire des knockouts chez la souris, et puis on a vu que ces souris se portaient apparemment très bien. Alors, apparemment très bien, tester si une souris se souvient des visages, c'est un peu difficile. Donc il y a tout un questionnement, évidemment, sur la finesse du diagnostic des perturbations chez les modèles animaux. Par ailleurs, chez les modèles animaux, on peut faire des expériences qui serait quand même difficile à accepter dans l'espèce humaine. Sur Alzheimer, par exemple, ça peut valoir la peine, puisque le malade ne se rendra pas compte de ce qu'on fait. Maurice, je te laisse la responsabilité de cette proposition. Si tu veux, tu peux. Non, mais. Tu pourrais par exemple t'engager, au cas où l'Alzheimer se déclencherait chez toi, à te prêter ton corps à des expériences médicales. Non, il faut voir le type d'expérience, mais il y a des contraintes éthiques de toute façon. Marc, une question. Moi, ce qui me trotte dans la tête, c'est le discours de cette chercheuse, de biologiste, et ce que reprend Momo, c'est quand même tout un discours dans la science qui dit que à travers les gènes, il y a le déterminisme. Et ça, c'est loin d'être prouvé. Potentiel. Ah. Alors, oui, ça, c'est une grande question, Marc. C'est la grande question. Parce qu'il y en a qui l'affirment. Il y a des scientifiques qui l'affirment. Donc. Non, mais moi, il y a un déterminisme, absolument. Si tu veux, je reprends l'histoire de Bobo qui dit on coupe un gène et c'est bon. L'histoire du cerveau où on coupe, et bon, c'est sûr, il a un peu de crise, mais il est tout ça. Il y a quand même une interaction partout dans la nature, on voit qu'il y a une interaction. Donc, oui. Alors la question du déterminisme, c'est une question énorme. C'est une question effectivement qui moi m'intéresse énormément du point de vue de la génétique. Alors le fait de dire il y a un déterminisme ou il n'y a pas de déterminisme, je pense que dans les deux cas, ou refuser à tout prix un déterminisme, dans les deux cas, on est dans l'erreur. Il y a une grande partie de la littérature effectivement biologique où, et en particulier dans toute la littérature sur la biologie du comportement, sur la génétique du comportement, où on présuppose effectivement qu'il y a un déterminisme du comportement qui est lié aux gènes. Et ça, c'est vraiment une grande partie des gens qui travaillent là-dedans. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là et que j'ai proposé ce sujet pour l'université populaire, parce que je trouve que c'est la grande question, le déterminisme des comportements. Est-ce qu'il y a un déterminisme des comportements, hein? C'est le titre du livre aussi de Roubertou, hein? Existe-t-il des gènes du comportement? Enfin, il ne dit pas déterminisme, mais c'est la question qu'il pose. Et en fait, je peux déjà vous annoncer la couleur, il n'y a pas des gènes qui déterminent de façon univoque un comportement. Par contre, il existe des gènes qui déterminent des choses. Le comportement est une chose extrêmement compliquée. Mais c'est précisément pour ça qu'à la première séance, je vous ai montré des phénotypes de mouches, où on voit que chez les mouches, une mutation d'un gène détermine la formation de pattes à la place des antennes, ou détermine la formation de deux copies du deuxième segment thoracique, et donc deux paires d'ailes à la place d'un seul segment qui porte les ailes normalement chez la mouche. Donc dans ce sens-là, il y a un déterminisme. Et j'ai voulu montrer ce déterminisme avec ces mutants-là, parce que justement, il y a certains biologistes qui sont très minoritaires, qui, parce qu'ils sont choqués par le déterminisme ou par les prétentions déterministes dans certaines prétentions déterministes dans le domaine de la biologie du comportement, ont pris le contre-pied total en disant il n'y a pas de déterminisme en biologie. Et en fait, en particulier, il y a un livre qui a été écrit par deux chercheurs français, Sonigo et Cupier, qui s'appelle Ni Dieu ni gène. Alors le titre est très sympathique, donc j'ai commencé à lire ce livre. Ni gène, ni Dieu ni gène. Ni Dieu ni gène. L'objectif de ce livre est de refuser le déterminisme des gènes, non seulement sur le comportement, mais aussi sur tout processus de détermination de la cellule. Et ils en viennent même à nier le fait que les gènes puissent influencer sur le développement de l'organisme. Et donc dans le livre Kupiec en particulier,
c'est quelqu'un qui développe des tas de modèles mathématiques sur la fonction, sur la manière dont le jeu, l'interaction entre le hasard et la sélection pourrait présider au développement des organismes et au développement de la morphologie. Le seul problème, c'est qu'à aucun endroit dans le livre, ils ne se sentent tenus d'expliquer les dizaines de milliers d'articles qui ont été publiés sur des effets où on observe un vrai déterminisme des gènes sur la morphologie. On l'observe parce que chez la drosophile, chez le ver, chez les souris, chez les rats, chez les plantes, on connaît des tas de mutants qui, de façon déterministe, une forme du gène va provoquer une malformation de l'individu, voire que l'individu ne se développera pas, mais avec une manière précise de ne pas se développer ou d'échouer à un endroit précis du développement, et l'autre forme fait un individu qui se développe normalement. Donc je pense qu'il y a un déterminisme des gènes sur la morphogénèse, en tout cas. Ça, j'en suis plus que convaincu, je peux te citer. Bien sûr. Alors l'environnement, oui, bien sûr. Mais le fait que l'environnement, dans le cadre de Antennapedia, par exemple, non, il n'y a pas d'effet de l'environnement. C'est-à-dire, les mutants, d'une sorte, vont avoir des antennes ici, et les autres vont avoir des pattes. Là, c'est un effet purement génétique. Et des effets purement génétiques, il en existe un grand nombre. Et puis, il y a des tas d'effets du développement qui sont effectivement liés à un tas de gènes et à l'environnement, et à l'interaction entre ces gènes et l'environnement. Il y a des caractéristiques quantitatives, mais donc il faut aussi ici distinguer les caractéristiques qualitatives du tout ou rien. On a une patte ou une antenne, on a deux paires d'ailes ou une paire d'ailes, c'est du qualitatif, hein, c'est du tout ou rien, et des phénomènes quantitatifs. Par exemple, la taille des individus dans une population humaine ou dans une population bovine dépend d'une part d'un tas de facteurs génétiques, donc c'est un caractère polygénique, et d'autre part évidemment d'un tas de facteurs de l'environnement. Ou la production laitière chez les bovins, ben ça c'est typiquement aussi quelque chose qui est multifactoriel. Il y a sans doute des dizaines de gènes qui contribuent tous un peu à faire que des espèces, des variétés différentes bovines, ou des races bovines différentes, ou des individus au sein d'une race ont une capacité à avoir une production plus élevée, à avoir un plus haut taux de protéines dans le lait, à avoir une plus grande concentration de graisse dans le lait, etc. Et ça, c'est les caractères qu'on sélectionne activement. Donc ça, c'est des dizaines d'années de sélection qu'ont pratiqué les sélectionneurs sur les vaches, hein, pour soit faire des races viandeuses, soit des races laitières, soit des races qui sont robustes pour vivre dans les montagnes, etc. Donc il y a un effet génétique, on voit l'effet de cette sélection, c'est la divergence entre les races, on peut les reconnaître, quoi. Et il y a un effet de l'environnement, c'est-à-dire que la même race de vache va produire plus ou moins de lait selon qu'elle est élevée dans des montagnes, en étable où on laboure de nourriture, dans les champs, etc. Les deux coexistent, pour la plupart des traits quantitatifs. Alors, dans les laboratoires, justement, donc ça c'est une bonne question, effectivement. Si, justement, dans les laboratoires, ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est d'homogénéiser les conditions. Quand on fait des cultures de mouches, on les fait toujours à la même température dans les articles qu'on publie. Il y a toute une section de chaque article scientifique qui est matériel et méthode, où on dit exactement pas à pas ce qu'on a fait pour produire le résultat. Et en principe, sur base de ce protocole, dans un autre labo, on peut obtenir le même résultat. En pratique, ça ne marche pas toujours. En pratique, ça ne marche pas toujours parce que... Mais ça, c'est pas tellement parce qu'il y a... C'est pas forcément un effet de l'environnement, c'est souvent un effet de la maîtrise de l'expérience par le chercheur. Et ce qui est assez fréquent dans notre domaine, en fait, c'est qu'il y a un chercheur qui publie quelque chose, il y a un autre laboratoire, on essaie de reproduire le machin, ça ne marche pas. Avant de crier au scandale et de dire l'article est de la foutaise, etc., ce qui est d'assez bon ton, c'est de contacter la personne en lui disant « Voilà, j'arrive pas à reproduire vos résultats. Est-ce que vous pouvez est-ce qu'il n'y a pas des détails que vous avez oubliés ?» Et très souvent, on a oublié de dire un petit détail. « Ah oui, mais à cet endroit-là, je fais ça, mais je ne l'ai pas mis parce qu'au moment où on a écrit l'article, on ne peut pas dire minute après minute tout ce qu'on fait. » Donc la reproductibilité des détails, des résultats scientifiques peut dépendre de ça, pas forcément d'un effet de l'environnement. Alors dans ce cas-là, ben, c'est très simple. Une des choses qu'on peut faire, c'est d'envoyer le chercheur du labo qui veut acquérir la méthode dans le labo où elle fonctionne, et on voit si... Et puis on le forme, on lui montre comment on fait pas à pas, et puis il revient dans son labo, il a appris la technique. Ça, c'est dans le meilleur des cas où, en fait, OK, là, il n'y a pas d'effet de l'environnement. Mais ce qui est important là-dedans aussi, indépendamment de cette question
épistémologique sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience, comment on décrit le protocole, quelle est la reproductibilité, etc. Il y a une autre question qui est que comme par construction en laboratoire, on essaye d'homogénéiser les conditions, dans le cadre particulier de la biologie du comportement, si on veut mesurer l'héritabilité, on perd totalement la possibilité de mesurer l'héritabilité parce que on réduit au maximum la variabilité environnementale en homogénéisant les conditions. Et donc, on va amplifier énormément, quand on travaille sur des animaux de laboratoire, hein, quand on fait du comportement sur des animaux de laboratoire, quand on fait de l'analyse du comportement sur les animaux de laboratoire, si on veut mesurer l'héritabilité, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, il y a un exemple de Roubertou où il dit « Je sélectionne des souches de souris, il travaille sur les souris. Je sélectionne des souches de souris qui ont un comportement particulier par rapport à l'agressivité, etc. » Et au terme de 20 générations, on a des souris qui ont un comportement tout à fait particulier. Mais comme on étudie la variabilité entre ces souris dans des conditions tout à fait contrôlées, à la limite, on va dire que l'héritabilité est nulle parce que on minimise la variance due à l'environnement. On neutralise la variance liée à l'environnement. Donc, ça, c'est une des raisons de plus pour lesquelles les mesures d'héritabilité sont très difficiles à interpréter. Elles dépendent, pour mesurer de l'héritabilité, il faudrait normalement mesurer à quel point le comportement est associé au gène dans le plus grand nombre d'environnements différents possibles. Et ça, on ne le fait pas. Au contraire, on se met dans des labos. Quand on fait des études de labo et pas des études de terrain, on homogénéise le plus possible les conditions. Et donc, on perd même le sens de la mesure de l'héritabilité. Marc. Je pense que c'est un domaine qui, dans la biologie, on rencontre énormément d'informations. D'après ce que tu expliques, il y a beaucoup d'interactions entre toutes ces informations. Donc, la question que je me pose, c'est le développement actuellement au niveau informatique, au niveau surtout de l'information génétique et tout, ça veut dire que c'est des possibilités de calcul, c'est-à-dire de nouveaux algorithmes qui peuvent se faire à une vitesse très 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 rapide. Donc, si tu veux, parce que là, tu disais, en laboratoire, on fait ci, on fait ça, mais est-ce qu'on peut faire de la recherche qu'avec du calcul, qu'avec de l'algorithme, en entrant les paramètres, comme il était dit, que ça soit la température, que ça soit En physique, je vais vous poser la physique et la biologie. La physique, c'est typiquement le domaine de la science où ce que tu dis est réellement un des développements. Il existe tout un domaine de la physique qu'on appelle physique théorique. Et donc, il y a tout un domaine qui est la physique théorique et on connaît quelques-uns des très très grands succès de la physique théorique, notamment le fait qu'on puisse prédire des phénomènes 10 ans, 20 ans, 50 ans avant d'avoir même la capacité de les détecter. Hein? Le plus récent de ça, c'était le boson de Higgs Brout-Engler, puisqu'il a été découvert simultanément par deux groupes. Donc ça, c'est vraiment une des particularités de la physique, c'est que cette science a avancé à un tel point qu'elle est capable d'avoir une branche théorique qui devance ce qu'on a la capacité d'observer. En biologie, on n'est pas du tout là. En biologie, il existe aussi de la biologie théorique, mais où généralement on peut modéliser des petits systèmes, des petits réseaux. On peut prédire la façon dont ils peuvent évoluer si on perturbe le système de telle manière ou de telle autre manière, mais on n'est pas du tout encore en mesure, par exemple, de prédire la façon dont va se comporter une cellule, même une cellule simple d'une bactérie où il y a 4000 gènes et qui est une seule cellule isolée, c'est même pas un organisme avec des centaines de millions, de milliards de cellules, un système nerveux et tout. Une bactérie, on n'est pas capable de la modéliser dans son entièreté aujourd'hui. Et c'est pas seulement un problème de calcul, de puissance de calcul, c'est un problème d'estimation des paramètres, c'est-à-dire que de complexité intrinsèque. C'est-à-dire que dès le moment où un système est beaucoup trop complexe, où il fait intervenir des milliers d'éléments qui interagissent et qui a des propriétés émergentes qui ne sont pas la simple somme des effets de chaque élément, mais qui émergent vraiment d'un réseau d'interactions. Si on veut modéliser ça, il faut prédire la force de chaque interaction. Et pour prédire la force de chaque interaction, il faut la mesurer.
Et dans ces mesures, si on fait la moindre erreur, on a des systèmes qui ressemblent à des chaos déterministes, c'est-à-dire même si on modélise le système comme quelque chose de déterminisme, si on se trompe, si on change un paramètre d'une douzième de décimale, enfin la douzième décimale, le système va s'orienter dans un système tout à fait différent que si on utilise une autre valeur de paramètre. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça en biologie et peut-être qu'on ne le sera jamais. Un exemple aussi de calcul intéressant, là où on est vraiment dans le big data. Aujourd'hui, on est vraiment dans le big data pour tout sous-genre d'études, pour la génomique personnelle, la biologie du comportement, mais aussi la biologie du développement, pour la biologie marine, l'exploration des fonds marins, l'exploration de la flore microbienne. On est dans le big data. Hein. On a des séquences, on séquence des génomes entiers, on séquence des milliers de génomes, on les compare, on cherche des variants ici. Hein. On a 1 million de variants, et puis on a dans ce cas-là 16 000 personnes. Donc on se retrouve avec 16 000 personnes caractérisées chacun par 1 million de données. Et puis l'analyse qu'on fait, c'est une analyse où on prend chacun des SNPs séparément, chacun des millions de SNPs séparément, et on se demande est-ce qu'il influence la maladie ou pas. Et là, dans ce cas-là, on détecte 3 gènes. Mais il est possible, il est concevable, et il est même vraisemblable, que dans un grand nombre de cas, on ne détecte absolument rien ici, parce que pour avoir la maladie, il faut une combinaison particulière de 3 allèles qui sont sur des gènes différents. On pourrait conceptuellement faire l'analyse en analysant tous les triplés d'allèles, en disant ben, je vais analyser non seulement les tableaux de fréquence que je vous avais montrés où on calcule la proportion d'individus qui ont la maladie quand ils ont cet allèle-là et la proportion d'individus qui l'ont quand ils ont cet autre allèle, on pourrait le faire pour les paires d'allèles. Mais au lieu d'avoir 1 million de paires d'allèles, on aurait 1 million fois 1 million. C'est facétieux, hein, ces petites machines. Donc, au lieu d'avoir 1 million de SNPs à regarder, on aurait 10 exposant 12 paires de SNPs ou 10 exposant 18 triplés de SNPs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui de façon informatique. Et donc, c'est un des défis. Mais quand bien même on le ferait, on risquerait aussi d'avoir des problèmes statistiques parce que plus on augmente le nombre d'éléments qu'on analyse, plus grandes doivent être les cohortes. Et donc on va arriver à un moment où si on veut détecter des interactions entre 2, 3, 4 éléments, le nombre d'individus dont il faudrait disposer du génome pour mener l'enquête dépasse le nombre d'individus qui existent sur la planète ou dépasse le nombre de patients pour cette maladie-là. Parce que si on a une maladie qui touche 1% des gens, dès le moment où il faudrait une cohorte où il y a plus que le nombre de gens qui existent, c'est même plus la peine de commencer l'analyse. Donc même s'il existe des combinaisons de gènes qui interagissent et qui infectent grandement la maladie, c'est pas pour ça qu'on va pouvoir les détecter. Pas forcément. Dans certains cas, ça marche. Mais quand ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gènes. Ça veut dire peut-être qu'ils sont bien cachés. Ou bien ça veut dire qu'il n'y en a pas. Moi, je pense que là, ça fait déjà plus ou moins un peu plus que 2 heures qu'on a commencé. Merci.